Donc salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle table ronde sur le film Doctor Strange. Et je dis bien Strange parce qu'il y a certains qui veulent dire Strange, mais on dit pas Superman, on dit Superman. Donc moi je dis Doctor Strange. Voilà, je vous tenais à préciser ça parce que y en a qui ont du mal avec l'anglais. Alors, c'est eux qui commencent déjà avec les pics et tout. Alors salut à toi Edouard. Salut, Salut, salut. bijou. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu sur une table ronde, Edouard, c'est Ouais, c'est marrant. vrai. Ouais. Salut à toi Louis. J'ai entendu Oots, c'est tout. Oots. Il est timide. Ouais, les timides, ils n'osent pas dire bonjour et tout. Ouais, salut à toi Anthony, hein. Salut, jeune Jean. Le baroudeur. Donc on va commencer tout de suite ce premier tour de table, premières impressions. Edouard, qu'as-tu pensé de ce film Doctor Strange? Ok, on commence pas par un petit synopsis. Non, on fera après. Juste un avis global sur ce Après, que tu as pensé. un avis global, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ok. C'est clair. Louis. C'était globalement son avis. C'est un film Marvel, encore une fois, du Super Slip. Et c'est un film qui est bon sans plus. C'est-à-dire que c'est l'un des seuls que je peux considérer avec des ambitions d'auteur. Mais un film tellement banal dans ses scènes, dans ses personnages, etc. que je sais pas si ça vaut réellement le coup de se payer 10 euros en 3D pour voir un tel film. Ok. Anthony? C'est le combien de films de super-héros cette année? Le cinquième ou le sixième? Cinquième, je crois. Je veux pas compter, mais ouais, on doit Ouais, facile, ouais. On a eu C'est Deadpool, un on a film, je eu crois. X-Men, on a eu les deux de DC, on a eu Civil War, donc c'est le sixième ou le cinquième. Ben moi, j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt rafraîchissant. On sort un petit peu des Avengers, même s'ils sont jamais trop loin. Ouais, ça m'a bien éclaté. Je connaissais pas spécialement le personnage, plutôt juste le nom, un peu le design, mais c'était une découverte pour moi, on va dire. Donc ouais, c'était plutôt cool, quoi, comme à chaque fois avec les films de Marvel. C'est amusant. Donc ça m'a plutôt bien plu. Très bien. Et toi, mon petit? Quant à moi, je suis légèrement déçu, je m'attendais à mieux, mais c'est un film qui est somme toute pas mal tout de même, quoi. Mais il est moyen, quoi. Il est très beau visuellement, mais scénaristiquement, c'est un peu simple. C'est peut-être un peu. Enfin, ça vient peut-être aussi du fait que bah, l'histoire même du personnage dans les comics, j'aurais dit, elle est taillée pour le cinéma, donc c'est peut-être un peu. Ouais, de base, elle est peut-être un peu simple, son histoire, quoi. Donc bon, à voir plus tard avec d'autres franchises. Enfin, en plus, on a des choses à dire là-dessus, mais on en parlera plus tard. Qui veut nous faire un petit synopsis du film? Louis, est-ce que tu peux nous faire un petit synopsis du film, s'il te plaît? Alors, Doctor Strange, ça raconte l'histoire de Stephen Strange, un chirurgien clone de Tony Stark dans le caractère et qui va avoir un accident de voiture avec sa belle berline. Au final, il va perdre l'usage de ses mains, donc il va aller au Népal pour essayer de retrouver l'usage de ses mains. À la place, on va lui apprendre tout un tas de trucs de drogués comme la magie, les arts mystiques. Et il devra faire face à des ennemis très méchants qui voudront envahir le monde avec leur couleur fluo. Ok, ça Dans marche. le synopsis, t'as déjà l'avis de Louis, en fait. Ouais, t'as déjà l'avis, ouais. C'est déjà, ouais, c'est pas ouf, quoi. Bah, du coup, enchaîne sur ton avis, hein, Louis. Bon, bah, sur le scénario? Scénario, oui, bien sûr. Bah, le scénario, un timbre-poste coupé en mille, quoi. Non, mais sérieusement. Je vois plus l'intérêt en fait d'engager des scénaristes nouveaux puisque là moi je trouve que c'est carrément une sorte de reboot non avoué d'Iron Man. On a un Doctor Strange qui au lieu d'être le personnage calme et posé qu'on nous avait promis, bah, au final c'est juste un mec imbu de sa personne, hyper égocentrique, etc. Le scénario, bon bah, c'est une origin story, tout ce qu'il y a de plus banal et classique. Il y a absolument rien qui sort du lot pour le démarquer. Et ben, il n'y a rien qui permet vraiment de faire sortir scénaristiquement ce film de la masse Marvel. On va jamais en profondeur dans tous les territoires un peu mystiques, etc., qu'on nous présente visuellement parlant. Il n'y a absolument rien qui est développé en ce qui concerne le méchant qui a tout pété. Trois lignes de dialogue.
avec 30 secondes de j'explique mon plan face aux gentils pour mieux être caractérisé, mais au final c'est comme tout le monde, donc ça marche pas, je trouve. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a des facilités, des incohérences qui sont bon, un peu inhérentes au genre, mais qui un peu me fatiguent. Et je pense qu'avec ce film, et si ça se confirme, bah, enfin non, même je pense que ça confirme avec ce film, que même sur les longs métrages Marvel où ils peuvent se donner de l'air, où ils peuvent tenter des trucs, bah, ils ne le font pas. Donc du coup, bah, je vois plus l'intérêt d'attendre quelque chose de Marvel en fait, au niveau des scénarios. Anthony. Alors je comprends hein, les propos de Louis, même si moi je pense qu'il faut nuancer un peu tout ça. Marvel veut faire tout un univers, hein, donc connecter tous ses films. Du coup, c'est à la fois une force parce qu'ils vont engranger un max de pognon et c'est comme une série, t'es obligé de voir tous les épisodes pour comprendre ce qui se passe, même si c'est pas non plus ultra sorcier. Mais c'est une contrainte aussi parce que tu peux pas non plus faire de folie, il faut que tu uniformises le tout. On peut s'en offusquer, hein, y a pas de souci. Mais moi je trouve que la formule Marvel, un peu sous vide, un peu déjà mangé, redigéré, revomi, etc., etc., ben ça marche toujours pour moi. Alors, c'est une origin story, on le sent bien, on se prend quand même, pour moi, trois quarts de film pour développer le personnage et un quart de film pour essayer de boucler une fin rapide avec un méchant, encore une fois, sous-exploité. Ben, je trouve pas ça dégueu, ça se tient. C'est pas exceptionnel, mais ça se tient et j'en attends rien dans ce type de film. C'est un univers, c'est une série au cinéma pour moi, donc j'attends pas de folie. Faut uniformiser le tout, faut essayer de rentrer des personnages, d'essayer de les connecter avec du fan service. Même moi, je le comprends maintenant. Donc c'est de vous dire que c'est hyper accessible ce type de film quand on connaît pas. Enfin, je trouve que c'est plutôt accessible à tous. Ouais, on aurait pu exploiter plein de thèmes, la science face à la magie, ouais, il ressemble à Iron Man, effectivement, le personnage, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de personnages de super-héros, et c'est peut-être les limites du genre, qui ont la même façon d'être préparés, le faible qui devient fort, le fort qui devient faible, enfin, c'est toujours un peu les mêmes histoires, hein, que tu sois chez une compagnie ou l'autre. Moi, pour moi, ça marche encore, hein. C'est certes, je l'ai déjà vu 20 fois, je suis jamais surpris, mais est-ce que j'ai passé un mauvais moment? Pas du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Je comprends les propos de Louis, mais je les atténue avec le plaisir et aussi la cohérence de l'univers que nous propose maintenant Disney, Marvel, avec tout ce... C'est le 14e film, je crois, hein, de l'univers. Ouais, ouais. Ça reste cohérent au bout de 14 films, je trouve. Oui, ça reste pas mal. Ouais, cohérent, on va dire ça. Oui, voilà, ça, ouais, ça peut. Dans l'ensemble. Ouais, voilà. Dans un ensemble de 14 films. Dans un films, ensemble. Ça se tient. Ça se tient en tant que série télé. Édouard. Alors oui, moi ce que je disais par rapport au scénario, c'est que je trouvais que il est. En fait, je rejoindrais Anthony en fait sur l'idée, c'est que c'est simple, mais ça fonctionne, c'est efficace et ça m'a quand même emporté dans l'histoire et ça a marché quoi. C'est moi. Ça veut dire que c'est simple, mais c'est une origin story. Et donc pour faire connaître un personnage qui n'est pas du tout connu, je trouvais que c'était assez efficace en fait. Je dirais que le gros défaut, ça serait plutôt la durée du film, qui est un peu courte en fait, peut-être. Ça aurait gagné à avoir 10-15 minutes de plus. Mais sinon, dans l'ensemble, le film, pour moi, d'un point de vue scénaristique, il n'est pas mauvais en fait, il est juste simple. Et en fait, ça fonctionne bien, c'est efficace pour l'histoire que ça veut raconter en fait. Il est bien introduit ce personnage, je trouve, dans l'univers, non ? Il est bien introduit dans l'univers et comme je te rejoins en fait, c'est-à-dire que l'univers, après, il est cohérent, tu vois, ça arrive à introduire un perso que personne ne connaît. Donc voilà, moi, chez moi, ça a fonctionné aussi. Okay. Et aussi, cette optique très familiale. Je veux dire, il faut que ça plaise à papa, maman, au petit, au mec qui a 30 ans, au gars qui en a 15. Alors forcément, tu es obligé de baisser le niveau et de faire un truc assez simple. Ça, je le conçois. C'est quelque chose aussi qu'il faut aussi prendre en compte. Et peu importe de manière critique ou pas, mais au moins, ce qu'on peut constater avec la MCU, quoi, c'est que c'est quand même un univers qui a réussi à réunir des fans de comics et des gens qui n'y connaissaient rien. Moi, je connaissais rien à ce personnage et maintenant, ça me donne envie de le découvrir, tu vois. Ouais, donc ça, on peut pas leur reprocher, tu vois, ça. C'est l'apéro pour découvrir un peu l'univers de ces comics, quoi. Moi, ça m'a fait découvrir, ça m'a rendu curieux, tu vois. Donc je peux pas leur enlever cette qualité énorme qu'ils ont, c'est d'avoir rendu Marvel hyper accessible à un grand public, même de gens qui n'y connaissaient rien. Après, moi, pour ma part, pour revenir sur ce qu'a dit Louis avec la ressemblance
à Tony Stark? Oui et non, parce que si tu considères qu'il est ressemblant, parce qu'il balance des punchlines et qu'il fait des blagues, je te dirais non. L'histoire du personnage par elle-même, la ressemblance, moi pour moi, elle s'arrête au fait que c'est un mec riche et intelligent qui au début est un but de sa personne et après c'est fini, tu vois. Parce que si tu parles du fait qu'il a des blagues et sa personnalité, je te mets tort. Je te mets tort qu'il fait des blagues aussi. Je te dis juste qu'au début, il était riche et intelligent et un but de sa personne et maintenant il balance des blagues et tout. T'as le même personnage aussi, tu vois. Non, mais c'est un personnage universel, hein. Le voilà, perso sûr de lui qui finit par se faire démonter par un certain nombre d'événements et qui va se remettre en question, quoi. Puis, mis à part les blagues, au final, t'as un personnage, en la personne de Doctor Strange, dans le film en tout cas, qui a une très grosse connaissance et qui pense tout savoir et qui va être très surpris de ce qu'il va apprendre. Et t'as un autre personnage, Tony Stark, qui lui fait des blagues, mais pour cacher le fait que des fois, il sait même pas quoi faire, ou il a pas d'idée, ou il est tiraillé, ou il est tourmenté par telle et telle chose, tu vois. Donc c'est pas la même chose. Ils font des blagues, ils sont ressemblants, mais c'est pas le même personnage. C'est quand même deux gars qui ont eu des accidents à la base. Faut pas se tromper. Non, Tony Stark, il a pas eu un. C'est un marchand d'armes, si je me souviens bien, dans le premier. Il se prend un morceau de shrapnel dans le cœur. L'autre aussi, tu vas me dire, il est au top de son métier. Bon, certes, c'est de la santé. Hein, ouais, mais si tu raisonnes, après, même s'ils ont eu un accident, c'est pas la même quête. Non, Tony on est Stark, d'accord. Lui, il fait une armure pour pouvoir s'échapper et c'est tout, tu vois. Oui, ouais, c'est vrai. L'autre, il veut retrouver sa condition d'avant. C'est vraiment pour retrouver ses mains, pour retrouver sa condition d'avant. Mais. Iron Man, il a quand même la thématique du stress post-traumatique qu'il n'y a pas du tout dans l'histoire de Doctor Strange aussi. Non plus. Après, bon, ce film, moi, je le trouve quand même un peu trop simple. Et j'ai l'impression que Marvel Studios avait un peu peur d'effrayer son public, donc ils ont simplifié un peu le personnage de Doctor Strange. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, en l'occurrence, dans le film, on a un Doctor Strange donc, qui part au Népal pour apprendre les arts mystiques. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit au niveau arts mystiques, qu'est-ce qu'on voit? J'ai cru voir un épisode d'Harry Potter, en perso. C'est-à-dire que il y a trois ou quatre tours de magie, on ouvre un portail avec une bague, on fait apparaître des armes par magie, donc des fouets ou des épées ou des éventails aussi, ou des boucliers, ce que tu veux. Et on va dans la dimension de verre et c'est à peu près tout. Il n'y a rien d'autre. Moi, je suis totalement d'accord. Et heureusement, Dr. Strange n'est pas que ça, il y a bien plus. Et je pense qu'ils ont vraiment fait l'impasse sur la dimension, tout ce qui est mysticisme du personnage, pour rendre le personnage plus accessible. Et que ce soit moins effrayant. Tu vois, tu ne dises pas, mais attends, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de dimension des démons. Est-ce que tu ne comprennes pas? Enfin, voilà. Pour faire version aseptisée, en fait. Voilà, ils ont aseptisé le truc. Il faut penser que ça fait partie d'un univers qui est, à la base, hyper, on va dire, hyper technologique, à la base. Donc, les Marvel. Univers mystique, Doctor Strange peut partir en enfer, il peut partir dans l'espace. Il y a tout un truc. Pardon, excusez-moi. Prix. Et pour reprendre ce que m'a dit un ami où il avait totalement raison, ça m'a un peu ouvert les yeux. Et lui, il est ultra fan du personnage. Il me dit, mais par exemple, t'as le gros amalgame, genre on part au Népal, on fait un truc un peu mystique. Du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font les personnages? Ils font du kung fu. C'est des moines Shaolin, ils font du kung fu. C'est dans le film, c'est ça. Alors que dans le comic, ce serait pas forcément le cas. Mais donc, du coup, on a simplifié le truc pour le grand public. Ça peut être un peu dérangeant. C'est une version légère de tout l'univers du personnage. Et encore, je trouve qu'il s'encombre vachement. Hein. Comme je disais, sur les trois quarts du film, j'ai l'impression qu'on m'explique 20 fois qui est ce personnage, avec une montée en puissance du gars qui est plutôt rapide, alors que c'est vachement long, je trouve. C'est paradoxal, en fait. Et la fin, faut pas oublier le cahier des charges, il faut de l'action. Il faut un méchant, il faut qu'on lui botte le cul et il faut qu'on connecte le tout avec les autres personnages, des références, nous montrer la puissance et l'univers complètement ouf. Moi, j'ai trouvé super intéressant le fait qu'il y ait trois villes connectées pour nous protéger d'un... les termes, vous m'avez compris, mais genre le mal, quoi, comme toujours. Quoi. Mmh. Et j'ai trouvé ça super bien, mais tu nous en parles pendant 20 secondes. Alors, mission accomplie, parce que j'ai très vite compris. Il n'y a pas de souci. Londres, c'est quoi? Londres, New York et... Enfin, je ne sais plus. Une ville aux États-Unis, Shanghai, Londres et Shanghai. Ou Hong Kong. Enfin bon, vous avez compris. Asie, Europe, États-Unis, on ne va pas se faire chier. Et je trouvais ça plutôt cool. Bien expliqué, j'ai très bien compris qu'il fallait nous défendre et qu'il y avait un magicien par ville et qu'il fallait apprendre et que, attention, le chef des magiciens, elle est un peu chelou quand même. Enfin, ça, je l'ai très bien compris, mais j'aurais aimé qu'on développe plus comme la science face à...
à la magie, surtout que tu avais le personnage pour, quoi, Doctor Strange. Quoi. Le mec, c'est un scientifique, il n'y a pas plus cartésien que lui, et il se retrouve à faire de la magie, à passer dans des mondes. Oh, ça lui fait ni chaud ni froid, il n'a pas l'air de trop perturbé. Hein, cet, cet écart au début, tu le vois, il est flagrant quand elle lui explique un peu le truc de chakra, de régénération du corps, et lui commence à sortir des termes techniques. Oui, vous avez réussi à faire de la régénération cellulaire, machin. Alors qu'en fait, elle ne parle pas du tout de ça, mais lui, il est très cartésien et il va rester dans ce qu'il connaît, en fait, ce qu'il a appris. Il ne va pas essayer d'ouvrir son esprit à autre chose. Mais je ne l'ai pas vu plus perturbé que ça, tu vois. Ouais, après, il n'est pas trop perturbé. Il y a un petit peu aussi au cours du... Par contre, moi, si j'ai un reproche à faire au film, je trouve qu'il prend trop le spectateur par la main et qu'il lui montre trop... Ça, au bout d'un moment, il faut que les gens essayent de s'imaginer certaines choses. Et dans ce film-là, bah, tu n'as pas ce pouvoir parce qu'on t'explique tout. Te dit, voilà, ça c'est la dimension miroir, cristal, machin, ça sert à ça, là tu peux y faire ce que tu veux, les gens ne voient pas, ça n'impacte pas le monde réel, enfin, on t'explique trop de choses, t'es trop pris par la main, et l'exemple concret, la scène qui explique très bien ça, c'est l'histoire avec l'œil d'Agamotte. Ah, c'est vite fait, hein. À la fin du film, alors là, l'œil d'Agamotte, tu comprends que c'est une pierre d'affinité, tu comprends, tu vois. Mais non, le mec est obligé de lui dire, tu n'es pas prêt pour utiliser une pierre d'affinité. Ah bon ? Ah, je n'avais pas remarqué que c'était une pierre d'affinité. Tu le comprends pendant le film, t'es pas con. Oui, t'es pas con. C'est évident le film. De te dire, bah, regarde, en fait, cette relique-là, c'est la pierre d'Agamotto, d'ailleurs, c'est pas Agamotte, c'est à l'intérieur, elle renferme une gemme. Regarde, je te le dis, tu vois. Et j'ai trouvé ça un peu con. Après, ça, c'est le problème de tous les blockbusters actuels. Hein. C'est pas une excuse, hein, loin de là, mais c'est qu'on nous explique trop, il faut tout le temps tout justifier, et dès qu'on n'explique pas, ah ben, c'est de la merde. Voilà. Il y a aussi des fois où quand on n'explique pas des choses qui sont des fois nécessaires pour la compréhension du grand public sur des choses qui peuvent paraître évidentes pour un fan, mais pas toujours, tu vois. Moi j'aimerais bien qu'on laisse un peu. Je vais donner un exemple. Je vais prendre un exemple dont on m'a parlé avant même la sortie du film, mais je vais en parler pour la même raison. Je vais parler d'Inception. C'est un film où on t'explique les bases, voilà, les strates de rêve et tout. Mais après, c'est à toi de te faire ton opinion sur ce que tu viens de voir. Qu'est-ce que ça représente? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, la toupie qui tourne ou qui ne tourne pas, qui tombe, machin, ou des trucs comme ça. Ouais. C'est à toi de te faire ton opinion. Ou sur les apparitions de Marion Cotillard. Bah, tu vois, bizarrement, moi, je trouve que les films de Nolan sont extrêmement redondants. Ils ont tendance à toujours expliquer tout. Ouais, Batman, c'est pareil. On te laisse une place à l'imaginaire. On te laisse, moi, je trouve, surtout dans ce film-là, on te laisse une place à te dire, bon, tu l'interprètes comment cette scène-là? Qu'est-ce que tu en penses? Mais là, en l'occurrence, dans Doctor Strange, et d'ailleurs, en général, dans à peu près tous les films Marvel, tout est expliqué. C'est de A à Z. Et là, c'était très flagrant dans Doctor Strange, c'est tout, t'es expliqué. On te laisse pas de place à, oui, ben en fait, peut-être qu'il y a une autre alternative, tu vois, réfléchis un peu. Non, non, en fait, on te montre, et ce qu'on te montre, c'est comme ça et pas autrement, tu vois. Et je trouve ça un peu dérangeant. De plus en plus, tu vois. Bah surtout qu'on t'explique, mais on développe pas plus. Oui, si voilà, tu m'expliques, vas-y à fond, je veux comprendre. Après, le problème que tu soulèves, Anthony, c'est que avec Doctor Strange, tu as un personnage qui, entre guillemets, a une connexion avec tous les autres. Parce que Doctor Strange, il faut savoir que la maîtrise des arts mystiques, il peut très bien aller dans l'espace tout de suite et voir les gardiens de la galaxie en ouvrant un portail, tu vois. Oui, et le mec est surpuissant, quoi. Et voilà, ils vont s'en servir sûrement après. Ouais. Ça, c'est évident. Ils ne veulent pas griller toutes leurs cartouches. Voilà, c'est pour ça qu'on reste un peu mystérieux là-dessus. C'est parce qu'il peut très bien être sur Terre, comme être dans l'espace, comme être dans une dimension parallèle. Et quand tu connais un peu l'univers, par exemple, tu vois, ils ont parlé de la dimension noire. Et je suis très déçu parce que dans Civil War, ils auraient pu mettre cette dimension noire, tu vois. À quel moment? Comment? Dans la Civil War, les prisonniers qui s'enferment, ils les enferment dans la dimension noire pour pas qu'ils puissent s'échapper. C'est pas la zone négative. Ouais, mais c'est ça, c'est la zone négative, c'est la dimension noire. C'est la même chose. Ah, d'accord. Alors là, si on l'avait mis dans Civil War, on aurait été perdu complet. Oui. Enfin, moi le premier. C'est quand même un truc super réaliste, quand même. Ouais. Mais après, donc moi, je considère que le scénario, il est sympathique. Mais légèrement simple ou à la rigueur, je dirais légèrement trop expliqué. Ça laisse pas de place à l'imagination. Ouais. Moi, je le trouve trop facile. Hein, genre, il y a ce dialogue, tu te dis, t'as l'ancien qui dit comment vous avez fait pour vos techniques de médecin. Bah, j'ai fait des années d'entraînement et d'études. Et gars, en fait, il lit un livre, il s'entraîne 10 jours. On lui force à une épreuve, mais c'est bon, le gars, il est maître de l'univers. C'est des ellipses. C'est vrai que tu peux les marquer, des ellipses.
Elle se voit pas. Ça peut paraître trompeur parce que ouais, voilà, il y a pas de, on te montre pas le temps qui passe. Ça se trouve, il a la barbe qui pousse, les gars. Waouh, ben attention. Ouais, mais en fait, il a déjà une barbe, quoi. Ouais, c'est vrai. En plus, ça tient pas. Ça tient pas, mon truc. Mais ouais, c'est des ellipses. Mais c'est vrai que là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. On te montre pas le temps qui passe. T'as pas une montre, t'as pas quelque chose qui te montre qu'il y a plusieurs mois qui se sont passés. Parce qu'en fait, ça se trouve, il a fait ça en 6-7 mois, tu vois. Bah, tu vois, genre en gros, à la fin, il y a une catastrophe à Hong Kong et tout, tu te demandes où sont les Avengers et tout, etc. T'en profites de mettre l'action à Hong Kong, comme ça tu te fais un peu de bif en Chine, voilà, ça c'était la parenthèse. Et ensuite, en gros... Ce qui est pas con. Bah oui, ce qui est pas con, comme ça au moins ils se ramassent pas mal de thunes, oui. Pour prouver ce week-end. Et genre en gros, les gars, tu te dis, bah en gros, il commence, il n'y avait pas encore les Avengers, et il peut très bien finir quand les Avengers sont là. Et genre, en gros, là, d'un coup, voilà, maintenant, il peut s'intégrer. Ça, par contre, toi qui parles de temporalité... Et là, il s'intègre même pas. Non, mais là, toi qui parlais de temporalité juste avant et de notion de temps et j'allais dire d'espace, là, en l'occurrence, comment veux-tu que les Avengers débarquent à Hong Kong? Ils sont basés à New York. Eux, ils ont le pouvoir, par des portes, d'arriver en l'espace d'une seconde à Hong Kong. Et surtout que l'espace après Civil War, il y a aussi les accords de Sokovie. Ouais, voilà, mais même si on enlève ça, les Avengers, ils sont. Les accords de Sokovie, personne n'en a plus parlé, donc de toute façon, ça ne fait rien. Même si tu enlèves ça, personne n'en parle. Et s'ils en parlent dans le film. C'est toujours d'actualité. Ils en parlent toujours dans le film. Il y a un truc qui te fait comprendre, c'est toujours d'actualité, mais je reviens juste après. C'est juste ce que je disais. Le fait que, eux, par une simple porte, ils peuvent voyager à travers le monde en l'espace d'une seconde, et les Avengers, eux, ils sont restreints à New York et à prendre leur petit vaisseau spatial pour se balader. Et aller sur un lieu dit. Et au final, le combat dans le Kong, il dure quoi? On va dire, dans la temporalité du film, ça dure une heure, pas plus, tu vois. En une heure, de New York à Hong Kong, t'as pas le temps, tu vois. Juste simplement. Le temps de faire leur sac et de venir. Ouais, voilà, exactement. C'est ça. Tu sais, je pense aussi, c'est le contrat qui est accepté. Hein. Et juste pour revenir sur ce que tu disais avant, t'as une petite phrase qui te fait comprendre que, oui, on prend en compte ce qui s'est passé dans Civil War. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand le Dr. Strange est dans sa voiture avant de faire son accident, le mec lui énumère lui dit qu'il lui dit, ouais, là j'ai un mec blessé dans un exosquelette, voilà, exemple. Il parle de War Machine. Oui, il parle de... Ouais. Bah non, mais c'est surtout quoi, il y a des trucs faciles. Il y a un argument que tu disais et ça m'a fait beaucoup penser à ça pendant le film, c'est genre l'ingrédient à la Harry Potter, c'est-à-dire qu'en gros, on te promet des mondes mystiques et tout, en fait, c'est genre à l'état. Trois visuels kaléidoscopiques faits sur After Effects Premium. Et ensuite, je trouve bien méchant, c'est pas dégueu. Non, très bien foutu, mais c'est fait ça dure quoi, 30 secondes, une minute. Ensuite, on te fait des cercles et après, on te fait retourner. Après, on te fait des effets kaléidoscopes, genre pour s'amuser. Mais c'est impressionnant, mais ça sert à rien, quoi. Genre, en fait, j'aurais pu avoir tellement plus. Et tu sais, c'est là ma référence à Harry Potter, c'est que je me dis, Harry Potter. Par film, tu as deux ou trois nouveaux sorts, tu vois. Et là, c'était un peu pareil. C'est là, tu as le film, tu as le mec qui va faire une corde, qui va fouetter les gens avec sa magie, il va t'ouvrir un portail, il va faire un bouclier, et à la rigueur, la seule personne que j'ai vu en plus faire un truc de ouf, c'est la maître, j'allais dire, de la grande salle, la grande, comment elle l'appelle? C'est pas l'ancien. L'ancien, qui fait des j'allais dire les ventilos, vous savez, je suis fatigué, moi. Là, l'espèce de... Comment on appelle ça? C'est un éventail. Merci, pas mes mots. Un petit éventail, et genre, elle les modélise en magie, et elle se bat avec, quoi. Et c'est tout, en fait. Et si tu vois le gars qui peut marcher grâce à ses bottes magiques, et après, ça s'arrête là. Il n'y a pas de découverte de... T'as pas vraiment de découverte de ce monde de magie. Je dirais même plus loin, avec la comparaison avec Harry Potter, au moins dans Harry Potter... Tu découvres un monde magique, tu vois. Mais là, en fait, c'était dans un monde humain. Ouais, montre, tiens, regarde, on peut faire des portails et des machins, et c'est tout, en fait. Il n'y a pas cette magie ambiante, en fait. C'est limite même en mode bande-annonce, c'est-à-dire que, bon, bah, les gars, regardez, on peut faire ça, mais pour l'instant, on ne va pas te le montrer, et ensuite, peut-être qu'on te le montrera plus tard. Mais toujours, on sait qu'en suspens, il peut y avoir ce genre de délire. Le truc, c'est que, putain, c'est un survol qui est... qui est pénible, quoi. C'est... Après, de toute façon, ce sont tous des bandes-annonces, ces films. Oui, bien sûr. Ouais, Ant-Man, c'est une bande-annonce. Civil War, c'était une grosse bande-annonce. On sait très bien que ce qui va arriver... Enfin, même les Gardiens de la Galaxie, on nous tease juste des nouveaux personnages. C'est cool, c'est fun, c'est années 80, ça surfe sur ta nostalgie, c'est Space Opera et compagnie. Mais au final, c'est une bande-annonce aussi. Oui, bah oui, c'est super chiant. Exactement. Moi, ça me fatigue vraiment. C'est ça que je te disais. Je comprends.
ça fatigue, hein. C'est Oui, genre en même temps. Civil War déjà, moi, ça m'avait un peu. Genre, c'était Oui, presque la déception suprême. Et là, tu prends Doctor Strange, c'est encore en mode bande-annonce. Bon. mais t'attendais vraiment un truc qui allait Non. bouleverser? Non. Je dis ça sans aucune Ouais. ironie, c'est une question sérieuse, parce que moi j'attends plus rien. Je vais pour m'amuser, ça m'amuse, merci, au revoir. Ben justement, Doctor Strange, pour moi, c'était en mode, bon, ils ont toujours leur histoire d'Avengers où ils essayent de faire un truc super, super sérieux, super premier degré, Oui. à tort pour moi, à raison pour beaucoup. Et t'as des Gardiens de la Galaxie, t'as des Doctor Strange qui peuvent essayer de s'évader de ces enjeux primaires complètement premier degré et au final, tu peux vraiment te retrouver avec des délires. Malheureusement, j'ai pas accroché aux blagues des Gardiens. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, voilà, j'ai pas accroché. Et là, ils survolent tellement et c'est tellement supra-réaliste, alors que ça devrait être des mondes mystiques, kaléidoscopiques, tout ce que tu veux. Je trouve ça beaucoup trop réaliste. Donc du coup, bah ouais, comme tu disais, ça va pas à fond. Et au final, les gars, bah, ils se retrouvent avec le cul entre deux chaises. Ils se retrouvent avec, ouais, ça aurait pu être comme ça, mais au final, on reste dans un monde réaliste. Bon, les Bah gars, pour eux, sérieux? j'ai pas l'impression qu'ils sont emmerdés, hein. Ils te développent un univers, Oui, c'est bien comme une sûr. série, hein. Tu as des épisodes de transition. Allez, exemple typique, Walking Dead, saison 7, ça commence avec un gros épisode, on juge de la qualité, on s'en fout. Et le deuxième épisode est beaucoup plus calme, et le troisième le sera certainement, et peut-être que le quatrième, en fait, c'est pensé comme une série. Mais bon, c'est vrai qu'après, il faut vouloir apprécier une série Mais tu vois, je au trouve que cinéma qui se dans leur déroule. truc magique, ils sont pas allés assez loin, et tu as une scène qui me fait gravement penser. C'est la scène où ils arrivent donc dans le haut lieu de New York, qui va devenir plus Oui. tard la demeure de Doctor Strange. Et Ouais. quand tu regardes en fait toutes les reliques qu'il y a, bah, mis à part la cape et une autre relique sur laquelle ils font une blague, et je vous expliquerai la blague après parce qu'en fait c'est vachement sympa, bah, en fait les autres reliques, il n'y a rien d'impressionnant. Tu vois des vieux glaives, des trucs, Oui. il n'y a rien de magique. Ça fait musée, quoi. Je compare encore une fois, si je reparle d'Harry Potter, quand t'allais dans les trucs, tu vois des baguettes qui bougeaient, des trucs, des machins, c'est impressionnant. Ou même, si on parlait des Gardiens de la Galaxie, quand t'arrives, par exemple, dans la baraque du collectionneur dans les Gardiens de la Galaxie, Ouais. tu vois pas tout, c'est flouté, mais tu sens que c'est vivant et qu'il y a quand même des trucs qui peuvent être intéressants à voir derrière. Et que c'est pas juste du remplissage. Et là, en fait, j'ai eu l'impression qu'ils ont pris des reliques de musée à la One C'est Again. ça, c'est Et amusé t'en as après. deux qui sont, ouais, t'as la cape qui bouge, donc c'est amusant, mais c'est tout, quoi. Mais après aussi, je suis d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de sorts pour un truc de magie, mais en même temps, il faut aussi penser qu'il n'est pas encore le sorcier suprême dans ce film. Il apprend. Donc si tu le vois faire 10 sorts d'affilée, tu te dis On est d'où est-ce qu'il sait d'accord, hein. ça, quoi. Mais en Et l'occurrence, quand tu regardes, il faut qu'il y ait un certain apprentissage, tu vois, Ouais, donc on il est est limité d'accord, ils encore. sauvent quand même le J'ai pas monde, dit le contraire, alors mais qu'il y avait des maîtres qui sont là depuis oui, des mais il centaines sauve le monde, d'années. mais ça reste encore Doctor Strange qui apprend encore tout ça et qui va devenir Il n'est ensuite pas un fan, quoi. véritablement Ah, Edouard, le on est sorcier totalement suprême. d'accord là-dessus, mais par contre, en l'occurrence, quand tu regardes la sorcière suprême, donc qui est en fait l'ancien, Oui. c'est elle avant qu'elle meure et après elle lègue ce statut au Docteur Strange, bah, Ouais. elle a fait rien de plus, hein. Elle fait des boucliers ou des machins, mais c'est tout, quoi. Et même le truc Oui, de faire sans... bouger les immeubles dans la dimension, je sais plus comment on l'appelle, ça y est, donc dimension miroir. Ben au final, tous ceux qui ont un peu de niveau, ils le font tous, en fait. Le méchant le fait, elle le fait. Ben Cumberbatch, dans le prochain film, il le fera aussi, tu vois. Mais il n'y a rien, enfin, mis à part ça, il n'y a rien. Il y a tellement plus à faire avec lui, tu vois. fait, c'est Docteur Strange pour les nuls, le Ouais, voilà, film. c'est un peu ça. J'ai Mais je compris. dis ça sans aucune C'est peut-être, méchanceté, hein. oui, mais c'est Attention, bien peut-être parce que sûr. le film a été pensé pour peut-être les nuls, entre guillemets, c'est-à-dire les néophytes, quoi. Oui, et Non, puis mais pour c'est le surtout que gamin c'est. de 10 ans qui va aller jeter sa petite figurine et sa cape Doctor Strange, que je kifferais bien voir d'ailleurs. Mais dans l'idée, c'est ça, Ouais. c'est du business. Et ça ne me dérange pas, je vais Mais voir un film Marvel, c'est ça, tout. en tout, c'est la même chose pour Civil War. C'est Civil War, genre, survoler tout le conflit, survoler Ouais, mais là, Doctor en Strange, l'occurrence, l'univers, je trouve survoler. ça moins grave sur Doctor Strange, j'avoue. Pour Doctor Strange, je pense surtout que c'est une peur des studios de faire un truc qui est vachement compliqué Oui. et de ne pas attirer le public, tu vois. Le Parce public jeune, surtout. on va pas se mentir quand même. Quand on dit le maître des arts mystiques, quand tu lis les comic books, il y a des trucs, des fois tu mets un moment à comprendre en fait ce qu'il fait, tu vois. Ouais, d'accord. Tu as tout un truc de dimension, de temporalité, de téléportation, de trans. Il y a même des épisodes où Docteur Strange il chasse des gnomes, tu vois. Enfin, Oui, d'accord. tu Ouais, ça, vois, je suis enfin, d'accord. Mais quand même, là, c'est on a vraiment un affaire truc à une origin gigantesque. story.
Oui, voilà. Origin Story, c'est ça. Donc tu ne connais pas encore le truc, donc il faut placer l'univers, il faut placer le perso, oui, voilà. Et il faut le faire. Exactement, peut-être que dans les prochains, il y aura autre chose. On est ça, le cahier des charges. Il faut faire des bugs. Voilà, c'est ça. Il faut une scène de fin. Ouais, mais voilà, c'est toujours réfléchi en termes de produits. Et c'est plombant, quoi. C'est plombant parce que c'est justement. Ils le font tous, hein. Mais non, parce que je trouve que les gardiens. Ouais, ok, mais au moins ils le cachent plus. Voilà. Les gardiens, ça reste si tu analyses le scénario et les procédés, c'est les mêmes que tous les autres types de scénario. T'as une bataille finale à la fin qui se passe dans l'espace, avec plus ou moins dans l'air avec des vaisseaux, un peu à la Star Wars. T'as une phase où ils sont en doute, une phase où ils se remettent ensemble. Enfin, tu peux décortiquer le film comme tous les autres types de scénario. Le truc qui change avec les gardiens, c'est que c'est une sorte d'anti-héros et ils aiment bien dans certaines scènes casser les codes, comme le vœu. Moi, je me lève, c'est bon, je avec toi et puis t'as... Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais, le film joue avec ça, bien sûr. C'est juste ça. Surtout qu'ils sont complètement dans leur univers à eux, c'est-à-dire qu'ils sont complètement ailleurs que sur Terre, etc. Et là, c'est pas genre, en gros, Doctor Strange qui s'évade. Là, c'est genre, voilà, et normalement, Doctor Strange peut s'évader vers d'autres mondes. Bon, bah nous, on va le laisser sur Terre. Les gardiens, c'est complètement dans une autre dimension. En même temps, Doctor Strange, l'enjeu est sur Terre, sinon il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt. Moi, j'avais une question, les mecs, sur les scénarios. Alors, je sais pas, ce que vous allez en penser. C'est ce qui tourne dans le film autour de l'œil d'Agamotto, à partir du moment où il le prend et jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le mec, il a une relique avec une pierre d'affinité dessus. Il la prend, il se fait juste engueuler parce que il allait ouvrir la dimension de Dormammu. Mais tu sais, il y a. Personne ne lui dit, mais t'as une relique ultra rare avec une pierre d'infinité, rends-la-moi, repose-la. Et pendant tout le film, il se remballe avec. T'as le méchant qui va le croiser une première fois, qui le voit, hein, qui voit qu'il a la pierre d'Agamotto dessus, mais qui va même pas se dire que grâce à ça, il peut m'arrêter, tu vois. Il va lui laisser sur le coup. Et à la fin, quand il le voit l'enclencher, il dit « Oh non, pas ça !» Tu vois, mais niveau logique, moi, je trouve qu'il y avait un truc qui manquait avec cette pierre, tu vois. Ils se sont encombrés avec cette pierre, surtout. En même temps, voilà, ils lui ont donné, ils ont fait, voilà, amuse-toi, tu vois. Ouais, mais je peux comprendre, mais si tu veux, quand au début, il la prend et il la porte sur lui, il sait même pas, en fait, hein, qu'est-ce que c'est vraiment l'ampleur du truc, en fait. Hein. Donc, peut-être que, tu vois, on sous-estime, on se dit, il a un truc sur lui, il sait pas vraiment ce que c'est. Et puis après, à la fin, quand il pique un peu, il prise le truc, là, il se dit, merde, il va s'en servir sur moi, tu vois. Le problème, c'est que lui, il ne le sait pas, mais les autres sont censés le savoir. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils sont censés le gardien, le chinois, il est censé le savoir. Le méchant, il est censé le savoir aussi, parce qu'une fois qu'il l'utilise, il fait la gueule, il se dit, mince, il va peut-être me niquer. Mais pendant tout le film, il s'en soucie pas une seconde, tu vois. Alors c'est pour ça que le film aurait mérité 10 minutes de plus pour rajouter des petits morceaux à chaque fois entre les trucs, histoire de un peu, tu vois, expliquer. Ouais. Et un dernier acte avec un peu plus d'épique, quoi. Parce que là, c'est vraiment un truc. J'ai l'impression qu'il en a accéléré sur la fin. Bon, il faut faire un vieux combat avec un. Mais il était bien, le combat de fin. En même temps, je ne te cache pas que je n'ai pas vu d'autres issues. Parce que le Dr. Strange qu'on a vu, c'est un mec en apprentissage, donc qui a utilisé plus sa ruse et ce qu'il avait appris pour pouvoir battre Dormammu. Parce que Dormammu, quand même, c'est du haut level, quand même. Tu vois. Ah, c'est un big boss, quoi. Ah, c'est un big boss. Par contre, le seul regret que j'ai sur Dormammu, j'ai fait la remarque à un ami, et c'est spécial dédicace pour toi, Edouard. C'est que moi, il fait une apparition à la Galactub dans les. Ouais, je sais, j'ai pensé aussi à Galactub dans les 4 Fantastiques. Pareil. Enfin, je me dis, mais non, mais pourquoi vous faites ça, les gars? Faites-le apparaître. Après, il est bien plus stylé que Galactub. Galactus, c'est vrai qu'il fait bien plus stylé. Pour la fin, l'issue, en fait, non seulement je suis d'accord donc avec Andy, c'est-à-dire que c'était un peu la meilleure façon de terminer le truc, hein, parce qu'il ne peut pas non plus battre Dormammu avec ses poings, si tu veux, ou avec ses petits rayons et son fouet. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est l'un des rares films de super-héros qui ne se termine pas par une grosse baston finale. Ça veut dire que le mec, il est malin et il utilise plutôt son intelligence pour le battre. En l'enfermant dans une boucle temporelle, je trouvais que c'était plutôt bien trouvé par rapport à la plupart des films qui se terminent avec plein d'explosions partout. Là, c'est marrant, c'est pas une explosion, c'est une implosion puisque tout se reconstitue, en fait. Donc, j'ai trouvé, en fait, que ça tranchait un peu avec le reste des autres films de super-héros, quoi. Ce qui est malin aussi, c'est que là, c'est enfin un super-héros qui manie où il y a une vraie manipulation de l'espace, du temps, il y a une vraie gestion au niveau des effets spéciaux. Ouais, il gère bien son truc, il est intelligent, il est malin, en fait. La 3D, il y a une gestion de l'espace qui est très intelligente pour une fois, puisque de toute façon, au moins, ça s'y prête. Alors que, bon, les autres Marvel, c'est on s'en fout, c'est juste on balance de la bagarre. Là, il y avait une vraie gestion, c'est pour ça que je te disais qu'il y avait peut-être parfois une dimension d'auteur, parce qu'il y avait une dimension de vraiment travailler de ce qu'on voulait faire, de tout le visuel qu'on voulait faire. Je pense qu'on n'a rien à reprocher au visuel. Mais ouais, c'est vrai que
Ouais, l'idée de la boucle temporelle au niveau scénaristique est bonne. Par contre, il y a un truc que j'ai pas du tout accepté ou ce qui m'a semblé, mais vraiment très malvenu. C'est dans cette scène post-générique de faire que c'est Mordo, je crois, devienne un méchant, ce qui est le cas, je crois, dans le comics. Ouais. Mais le faire dans une scène post-générique, vraiment, quand tout le monde s'est barré. Juste comme ça, après avoir dit un petit dialogue de merde, après le combat final, ouais, ça vraiment, c'est typiquement la facilité à la Marvel, quoi. Et c'est surtout que je trouvais que ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Ouais, c'est ça, c'est aucun C'était intérêt. ouais, mais en même temps, dans ce cas, si ça n'avait pas d'intérêt, c'était peut-être mieux de le foutre dans une scène post-gen, quoi. Donc, Ben non, mais autant pas le le faire, quoi. Je truc, sais c'est pas, que. je vois pas l'intérêt. Ou alors tu le développes dans un autre film, je sais pas. Le problème, c'est que tu sais très bien qu'il n'y aura pas de deuxième film Doctor Strange avant un moment. Parce que là, tu connais tout le calendrier et Non, mais tu tu peux peux. même le faire genre avant, genre en mode ouais, Docteur Strange, et ben, il a rejoint l'autre équipe, et au final, il se rend compte que ben, l'autre, c'est un ennemi. Soit Ouais. parce que ça devient un ennemi des Avengers, soit parce que voilà, il y a d'autres manières, quoi. Alors moi ça m'a pas tellement gêné, mais je peux comprendre, hein, c'est un peu expédié, mais en même temps pour une deuxième scène post-générique, je m'en branlais un petit peu. Bon, c'était la Je l'ai même première pas que je trouvais la regardé, je plus me suis intéressante. barré, moi. Bah, je me suis pareil, Bah après les j'ai vu post-génériques. la première avec la bière, et puis voilà. Ah oui, elle est marrante. Ça m'a suffi, je fais bon, ça va, la blague. D'ailleurs, s'il y a deux Ouais, mais possibilités avec bon. cette post-générique, bon bah soit très clairement il y a Doctor Strange dans Thor Ragnarok. Oui, ça va être ça, je pense. D'apparition, c'est possible, ouais. On te tease l'apparition de Doctor Strange, mais un quatrième film Thor. Ce qui serait un peu bizarre. Bah non, il y a même pas le 3, il Je sort pas y dans un croire. an, Moi, c'est je sais énorme pas quand même. Hein. comment. Donc, Non, moi je pense que ouais, ce soit un petit caméo, soit genre peut-être dans un Avengers, bah c'est Doctor Strange, il va réapparaître avec Loki. Genre il ramène Loki sur Terre, une période là. Passons sur la réal. Du coup, bah Anthony. La réalisation, toujours cet aspect cohérent avec l'ensemble, mais je trouve que ce réalisateur se dépatouille bien avec son projet de Doctor Strange. Tu te retrouves avec un personnage qui n'est pas forcément pour le moment le personnage vendeur, enfin c'est pas un des quatre Avengers très concrètement. Et il arrive à faire quelque chose qui est plutôt agréable à regarder. Alors on a beaucoup parlé de ouais, ça fait Inception, ouais, ça fait Matrix. Ouais, ça fait Harry Il bah, y Potter. a pire comme Moi. référence déjà. Et en plus, Oui. est-ce que ces œuvres de base, peut-être pas Inception, mais je mettrai de côté Matrix. Matrix, les sœurs Wachowski maintenant. Ce sont des mecs qui ont été baignés et nourris à quoi? Aux comics. Manga. Donc, Ouais, les comics, c'est les. au manga, aux comics. Ben, je suis sûr que les Docteurs Strange, ils en ont bouffé plus d'un. Donc, je trouve pas ça incohérent qu'on retrouve des choses de Ouais, une Matrix, petite sorte de boucle elles-mêmes déjà bouclée, ouais. inspirées peut-être de comics. Parce que la culture comics des sœurs Wachowski, la culture de l'Asie, du manga, etc., etc. Donc, moi, pour un film qui est formaté, comme on a dit, qui veut se connecter avec un univers qui est super uniforme, bah, je trouve que c'est pas dégueulasse, quoi. Je trouve ça beaucoup plus agréable à suivre que Civil War, par exemple, où j'avais beaucoup de mal sur les scènes d'action. Même si là encore, j'ai vraiment du mal. Je trouve que les combats sont pas top top. Par contre, les délires, kaléidoscope, les univers, les machins, même si on les touche à peine du doigt, je trouve que c'est quand même plutôt joli à regarder. Je l'ai pas vu en 3D, mais je pense que ça. Alors, Ouais, je soit l'ai fait en c'était la 3D, crise moi, perso. d'épilepsie, soit c'était magique, je sais pas. Mais Ouais, c'était magique. intéressant. C'était pas le truc tout grisâtre à la Civil War, Ouais, quoi. non, J'ai y avait trouvé des ça couleurs, là. pétillant. Il y avait des Certes, je couleurs. l'ai déjà vu ailleurs. Certes, c'est un mélange de beaucoup de choses. Mais bon, il y a pire comme référence. Oui, Harry Potter, la magie. Même, on a traité Warcraft. Les petits cercles de magie qu'il y avait dans Warcraft, je les ai un peu revus dans Doctor Strange. Mais ça me dérange pas. Je trouve qu'il y a des influences Asie, manga, donc comics et même Europe. Hein, la magie, le côté très aristo du personnage Doctor Strange. Je trouve que le mélange et la cohérence avec l'univers général est pas dégueu. Ok, c'est aseptisé. Ok, c'est très uniforme. Mais c'est loin d'être dégueulasse, quoi. Enfin, c'est pas le pire truc que j'ai vu chez Marvel, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que je m'emballe et que Ouais, non, moi je. je suis totalement d'accord. Genre, Scott Derrickson, c'est un réalisateur à la base de films de genre. Ouais. Sinister, Délivre-nous du mal. Déjà, il se débrouillait pas mal. C'est-à-dire que, genre, un film comme Sinister, c'est un film qui est très intelligent dans sa manière de doser, que ce soit l'horreur, que ce soit son visuel, etc. Tout reste cohérent. C'est maîtrisé à mort, c'est son style visuel. Et là, il te propose vraiment un ensemble qui est cohérent de bout en bout, ce qui n'est pas facile.
au vu des univers, au vu de toutes les possibilités qui lui ont été offertes, avec un comics qui est riche en termes de design, d'adaptation, etc. Donc, il y avait une richesse qui pouvait le perdre, et là, il a su se contenir. Au final, il n'y a pas énormément de choses qui se démarquent, mais ça reste très, très, c'est sûr, hein. Ça reste très, très joli. Il y a des couleurs, enfin des couleurs, parce que ouais, la 3D de Civil War, c'était du gris. Voilà. L'image était grise tout le temps. C'était, quand tu vois le reflet de ta télé, c'est tout le temps gris. Là, réalisé par Michael Jackson. Là, tu avais vraiment du bleu, tu avais des nuances, tu avais vraiment un travail visuel que l'on retient. Vraiment, il y a vraiment quelque chose que tu retiens du film. Et c'est presque ça qui fait que je ne suis pas ressorti en mode « Bon, qu'est-ce que je dois défendre ?» Qu'est-ce que je dois défendre d'un film qui, genre en gros, voilà, c'est pas un film où je vais défendre le scénario parce que de toute façon, c'est des trucs qui reviennent à chaque fois. Mais là, qu'est-ce que je peux défendre vraiment qui soit propre à Doctor Strange ? Ben, c'est vraiment ses couleurs, son visuel, son aspect qui est très, très propre. Après, presque trop propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pixel qui dépasse. Hein. Tout est vraiment millimétré hein, pour que ça reste cohérent, mais vraiment… chapeau bas à Scott Derrickson qui a déjà avoué qu'il voulait faire sa suite à la The Dark Knight pour compléter son univers, mais franchement. Ça s'en un peu là quand même. Hein. Ouais, non, mais en gros, il dit ça, pas sûr, il dit ça pour rentrer ça dans le cadre mythologique, un peu, voilà, genre. Ouais. Un peu tout le monde s'inspire un peu de The Dark Knight en ce moment. Bon, voilà, c'est un peu relou, mais c'est vrai que. Il y a pire comme référence là aussi. Ouais, voilà. Mais vraiment, par rapport à toutes les merdes qu'il aurait pu faire et. Tout ce qu'il aurait pu aussi, hein. Voilà, et puis surtout tout, il aurait très bien pu se faire juste aspirer par la machine hein. Là vraiment, comme je le disais au début, c'est l'un des films Marvel, peut-être avec les Gardiens, et vraiment dans une relative parenthèse Avengers 1, où tu avais des éléments d'écriture de Joss Whedon qui ressortaient, mais vraiment avec les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange c'est l'un des films que je peux plus considérer comme avec un travail d'auteur. Vraiment, un mec qui se pose, qui affine son univers et qui développe un visuel qui reste cohérent avec ses propres thématiques et avec l'ensemble de sa filmographie. Et avec le cahier des charges Marvel. Voilà, et avec le plus dur. Voilà, c'est ça. Le plus dur, c'est aussi de s'approprier un cahier des charges. Et là, il le fait vraiment très, très bien. Là, niveau visuel, j'ai vraiment absolument rien à reprocher, d'autant qu'il y a vraiment quelques idées. Hein, voilà. Il y a des idées de combat, c'est plutôt astucieux quand ils se battent avec des immeubles qui se tournent, voilà, c'est astucieux et c'est joli. Donc que demander de plus ? Voilà, vraiment que demander de plus ? Qui n'a pas parlé, qui voudrait dire quelque chose ? Toi ? Edward ? Oui, toi, Edward. Edward ? Edouard, tu es là ? Oui, je suis là. Oui. Tu es dans un monde parallèle ? Non, non, oui, il y avait un cercle qui s'était ouvert à côté. Hein, vous avez quasiment tout dit. Je trouve que j'ai remarqué, parce que moi, je l'ai d'abord vu en 3D et je l'ai revu ensuite en 2D. La 3D est super. C'est l'un des rares films où je peux vraiment dire que ça ne sert pas de gadget vendeur. Ça sert vraiment parce que la réalisation a été faite pour. C'est-à-dire que tu as vraiment des effets avec des objets dans l'écran, avec des effets de profondeur dans les salles. T'as vraiment, c'est très beau. Les décors sont réalistes parce que c'est tourné au Népal. Donc, ça veut dire que c'est pas un fond vert, c'est du Népal. Donc, tu vois, il y a vraiment des décors très beaux. Les effets spéciaux sont magnifiques, magnifiques. Et c'est super bien utilisé. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est très coloré. Il y a des tas de moments où il y a vraiment des délires LSD vraiment très bien foutus. Et ça m'a vraiment bien impressionné. Donc, en termes de réalisation et de visuel, j'ai rien à redire de plus. Hein. Vous avez tout dit. C'est vraiment très, très réussi à ce niveau-là. C'est très auteur. Moi, je connais juste le réalisateur pour ce qu'il a fait sur l'exorcisme d'Emily Rose, que j'avais vraiment. Mais je pense que ce soit le film le plus révélateur. Hein. Je n'ai pas vu Sinister, donc je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus. Mais vraiment, pour ce qui est de ce film, c'est vraiment un film. Comme les Gardiens de la Galaxie, et comme pour Avengers, et comme aussi pour Captain America 1, parce que pour le coup, le premier avait vraiment une patte visuelle aussi. C'est vrai. Je trouve que voilà, il s'inscrit totalement dans ce truc-là de film de super-héros qui arrive à se démerder pour avoir une certaine originalité visuelle, malgré qu'il soit étouffé par un cahier des charges assez conséquent. Donc, c'est pas mal. Je dis bravo, franchement. J'ai rien d'autre à dire. Hein.
Moi, je vais peut-être reprendre un peu tout ce que vous avez dit. Le film, visuellement, est très beau. Comme tu parlais de cahier des charges, effectivement, moi, je dis chapeau bas. Hein. Même ne serait-ce que dans l'idée de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on va montrer comme étant mystique? Comment on va le montrer? Pourquoi on va le faire? Quelle cohérence ça va avoir avec l'histoire? Ouais, je trouve ça super bien fait. Après, ils auraient pu en montrer plus, mais je pense qu'il y a déjà un bon début pour un public non averti de rentrer dans cet univers de cette manière-là. Pour la 3D, moi, je serais un peu moins, dithyrambique. Alors, je l'ai vu une première fois dans une salle toute neuve. C'était magnifique. Et je l'ai revu une seconde fois parce que des amis voulaient le voir. Du coup, j'étais le voir. Donc, en plus, je l'ai vu en VO et en VF. La deuxième fois, c'était ignoble. Je pense qu'il y a des salles, je parle de Gaumont-Pathé, hein. Les vieilles configurations de salles ne sont clairement pas faites pour ça. Et la 3D, c'était un calvaire. Tu n'avais pas de sac à vomi, tu étais dans la merde. Enfin, c'est pas imputable au film en lui-même. Oui, c'est pas imputable au film, mais c'est imputable à la salle. Moi, je l'ai vu dans une très bonne salle, très bonnes conditions. C'était merveilleux, c'était génial. Mais à l'inverse, dans une vieille salle, la diffusion en 3D, c'était un calvaire et c'était une dose de doliprane quand tu sors. Quoi. Non, mais c'est vrai, parce que moi, par exemple, j'ai pu voir Suicide Squad en IMAX 3D. Il y avait des couleurs, il y avait des trucs, ça faisait pas du tout mal aux yeux, etc. Je le vois dans une petite salle 3D, c'était noir, c'était tout noir, hein. Il n'y avait rien, c'était que de l'ombre, voilà. Donc oui, c'est vrai que là, pour le coup, il faudrait penser à réinstaller. Le truc, c'est qu'en fait, t'as pas besoin de changer ta salle et changer ton écran pour une projection 3D, alors que pour l'IMAX, il faut que ce soit une image de 22 mètres x 15. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que ça peut poser problème. Moi, de toute façon, je milite un peu pour pas la fin, mais pour qu'on arrête avec cette 3D qui est juste là pour enrichir les cinémas sans vraiment réel travail, à part un film par an qui est utile pour ça. Oui, c'est du gadget. Mis à part la salle, par contre, la 3D, elle est vraiment très intéressante dans les scènes de bâtiments qui bougent. Il y avait tout ce qu'il fallait là. Hein. Même en 2D, hein, en version classique, je trouve que le film est très habile. Bien sûr. J'avais peur d'être perdu. Hein. J'avais vraiment peur sur les effets. Sur les scènes où le temps est coupé. Oui. Tu parlais de Matrix tout à l'heure, mais c'est totalement ça, avec l'image qui fait le tour du mec en train de faire sauter ses pattes. D'ailleurs, tu sens qu'ils ont galéré à faire ça, donc ils te la repassent deux fois ou trois fois dans le film. Regardez l'image, le temps est coupé. Elles sont belles quand même, les nouilles. Elles sont bonnes, les nouilles. Regardez, c'est beau, là. Hein. C'est beau. Par contre, pour ce qui est des inspirations, je trouve que le côté Inception ressort pas tant que ça, en fait. On nous a dit ça. Finalement, pas c'est tant surtout ça. C'est surtout dans les bandes annonces, parce que dans les bandes annonces, on nous montrait que le côté kaléidoscope, qui pour le coup est un peu photoréaliste, mais le reste, il y a beaucoup de couleurs. Surtout quand tu parles du côté Inception, à la rigueur, si on faisait la comparaison, Doctor Strange part vachement plus loin, tu vois. D'angle et d'équerre, là. Il y a un moment où tu vois des micro-mondes qui renferment New York en sous forme de cube. Les autres, c'est beaucoup plus psychédélique. J'ai pris de la drogue, j'ai l'impression de prendre de la drogue, je vais voir tout ça, c'est bon. Tu vois, la scène du début où il voyage, où tu le vois, il passe d'un monde à un autre, jusqu'à arriver à regarder sa main, voir des bras qui poussent sur ses doigts avec des mains, des bras qui l'encerclent, des bras qui rentrent dans ses yeux, et dans ses yeux, tu vois qu'il tombe, qu'il ouvre la bouche, qu'il tombe dans ses. Je me suis demandé si j'ai mon café, ce qu'il y avait dedans. C'est très sympa. Même sur des choses plus posées où il sort de son corps plutôt drôle parce que ça donne beaucoup de rythme quand il se fait opérer. Enfin, il est en train de crever et que ça. C'est astucieux. Les combats par corps. C'est con, hein, parce que ça apporte rien de plus. Hein. C'est juste un vieux combat. Mais par contre, c'est idée par idée, quasiment plan par plan. C'est dans le comic book. La même scène où il doit s'opérer, il sort de son corps. Ouais, bon, ça après, copie-colle. Non, mais c'est bien, moi je trouve ça cool. Snyder, il copie-colle Watchmen. C'est génial. Les gens ne connaissent pas, je savais que c'était dans le comic book. Tu vois.
Mais c'est ouais, cool, mais ça veut dire que tu respectes aussi le matériel de base, quoi. Oui, bien sûr. Tant mieux. En plus, ils l'ont vraiment bien fait parce que vraiment, pour le coup, la scène est non seulement en plus assez marrante parce qu'elle donne lieu à pas mal de gags plutôt bienvenus, je trouve, personnellement. Mais en plus, en soi, le combat est... Là, tu vois le côté spirituel, entre guillemets, du fait qu'il sort de son corps et que c'est son corps astral qui se bat et il traverse des trucs et tout. Donc, c'est vachement bien. Donc, ouais, j'avoue, moi, je savais pas du tout puisque j'avais lu un seul comics de Dr. Strange, je savais pas. Tu vois, mais maintenant que tu me dis que c'est... très fortement inspiré case par case, quoi, ben, ça veut dire que le mec il a bien compris ce qu'il a adapté quelque part. Exactement. Ouais. Et pourquoi s'en priver en plus, la scène est adaptée. Ouais, pourquoi pas. Snyder, oui, comme tu as dit, c'est Snyder, je sais plus qui a mentionné Snyder, j'ai entendu. Ouais, genre Watchmen, il copie-colle le. C'est pareil. Copie-colle le comics, ouais, c'est pareil. Joli. Hein. Rodriguez, il copie-colle Sin City, c'est très joli, hein. Il n'y a pas de problème. Hein, genre, je n'ai que des points positifs au niveau de la... J'ai un point négatif très important. Je considère que les scènes de combat main à main sont quasiment illisibles ou décorées. Ça, c'est les défauts d'un réalisateur qui commence. En vrai, qui met un combat, il faut savoir le faire. Hein, faut le combat main à main, ce que tu vois dans les couloirs, tu as du mal à comprendre comment. Même, tu vois, le combat du début, où j'allais dire, je ne me rappelle plus son nom du personnage. Mordo. Ancien. Ouais, Mordo. À l'ancien. C'est Mordo, le black, là. Vient à son aide dans la ruelle avant qu'il rentre dans le temple parce qu'il allait se faire voler sa montre. Il met à terre trois gars, mais moi je l'ai vu, juste que j'ai compris à un moment il a mis un coup de coude et c'est tout, et c'est vachement lisible. C'est dommage, ça, ouais. T'as de mal à lire les mouvements parce que c'est très mal cadré, c'est souvent cadré en plus niveau buste, torse, tête. Ouais, c'est pour ça. Lire un mouvement, c'est très dur, et surtout t'as l'impression que c'est pas par quel angle filmer. Un coup de poing filmé de dos, donc tu filmes le mec qui de dos qui va mettre le coup de poing, et un coup de poing filmé de côté, ça n'a pas le même impact. Et moi, je vois un mec de dos qui met un coup de poing, bah ça m'intéresse pas. Je vois juste un mouvement, et pour moi, il se passe rien à l'écran. Et surtout, comme c'est très rapide, c'est pas vraiment lisible. Donc c'est le petit regret que j'ai. Sinon, tous les combats où ça implique de la magie en plus, là ça va. Mais tout ce qui est vraiment corps à corps, les scènes des couloirs et tout, c'est... J'ai rien vu, quoi. Vraiment. Il a un peu plus de mal sur des choses très terre-à-terre et réalistes, au final, quoi. En termes d'action, c'est chiant, mais c'est vrai que les plans d'ensemble sont très jolis, les plans moyens très jolis, mais ouais, dès que tu passes en gros plan, c'est... Voilà, quoi, c'est fatigant, quoi. Je suis assez d'accord, Moi, ça m'a pas tellement gêné. J'ai pas vraiment vu ça, mais je suis d'accord pour la première, hein, avec Mordo. Et pour les autres, j'ai moins senti ce côté précipité, un peu à la shaky cam, tu vois, comme t'avais dit. Dans le couloir, avant qu'il y ait tous les effets de magie où il va faire reculer la pièce ou ainsi de suite, t'as des scènes où ça se bagarre au corps à corps et je trouve vraiment pas ça lisible du tout, quoi. T'as du mal à comprendre ce qui se passe. À partir du moment où il y a de la magie d'utiliser, ça, tu le vois tout de suite. Donc, quand c'est vraiment juste corps à corps, point, pied à pied, c'est pas fou, quoi. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, du combat réaliste très terre à terre. Heureusement, il n'y en a pas. En même temps, ça aurait été. En même temps, c'était pas trop le but du film, parce que sinon, Ah, ça aurait été con d'avoir un magicien pour faire Civil War. Ça aurait pas eu vraiment d'intérêt, je pense. Ouais, voilà, exactement. Bon, moi j'aime bien le parti pris des films des frères Russo, c'était le côté brutal, un petit peu terre à terre, tu vois, au niveau des coups. Et là, pour le coup, t'as un truc très tu ressens pas la force des coups au niveau des poings, mais par contre tu ressens les pouvoirs, l'espèce de force, les divisions d'objets, les trucs et tout. Et là, bon, ça s'en sert, et je trouve que ça s'en sert plutôt bien. Mais j'ai pas tellement été gêné par les scènes d'action de combat de corps à corps. Dans l'ensemble, moi perso, j'ai pas trop senti le truc, mais faudrait que je le revoie une troisième fois pour vraiment le voir. De toute façon, l'émerveillement, il est dans ce côté kaléidoscope. Je change exactement, de dimension. Le combat de fin avec la répétition, la boucle temporelle, le mec se fait plaisir. Il y a un comique de répétition qui s'installe. Enfin, ça s'emboîte bien, hein, son délire. Hein. Je veux dire, le mec, il a su gérer ce qu'on lui a posé et aussi mettre sa patte, mettre de l'humour, mettre de la magie, introduire le personnage. Je trouve que quand même, sur la fin, il est obligé d'un peu bâcler. Pas visuellement, mais en termes de rythme et en termes de temps, là, prends un peu ton temps pour faire ta scène de fin. Enfin, le quart d'heure dont tu parles, Edouard, il le faut pour le développement, mais j'aurais bien rajouté quelques minutes pour le combat de fin, histoire qu'on ait vraiment un feu d'artifice final, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. C'est pour ça qu'il aurait gagné à avoir entre 5 et 15 minutes de plus, c'est évident. Ouais, je suis assez d'accord avec ça.
Après, oui, moi je rejoins sur les trucs d'action. C'est surtout ce qui était bien, c'est quand ils se battent donc tu sais, en plusieurs et tout. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le côté tu te perds un peu parce que dans des éléments qui se referment à chaque fois, qui étaient bien faits à ce niveau-là aussi. Voilà, après, j'ai pas de trucs à dire. C'est le point fort, on peut dire, la réalisation au final, non ? Ouais, bien sûr. Oui, très clairement, le visuel et c'est rare, c'est trop rare pour le souligner. Vraiment, je suis assez d'accord. Tu prends les frères Russo, c'est vraiment le bas de gamme, la réelle télévisuelle pourrave à l'état pur, tout ce que Marvel peut faire pire, et là, d'un coup, là, ouais, là, je suis d'accord, le visuel est très joli, la mise en scène est très bien foutue, donc ouais, là, faut vraiment le mettre en avant, c'est vraiment le point fort. D'accord. On part sur les personnages. Je dirais la musique, mais si vous voulez parler de la musique avant, c'est pas dérangeant non plus. Mais... Oh, les persos, la musique, à mon avis. De toute façon, la musique, ça va être très rapide, on peut le faire maintenant. Bah, ça devait être... C'est Giacchino qui le fait. Et bon, bah, c'est Marvel, quoi, voilà. Ça sert à rien. Marvel, ça sert à rien. C'est cohérent, c'est uniforme, mais bon, ça se laisse écouter. Hein, je veux dire, il y a les pics qu'il faut quand il y a des scènes d'action. Ouais, mais tu te rappelles pas, c'est ça. Oui, par contre, le thème de Dr. Strange, je te rappelle, genre 5 minutes après le film, moi je l'ai oublié, je ne m'en rappelle plus déjà. Ah non, j'avoue que je ne l'ai pas retenu. Hein. J'ai retenu celui d'Avenger, c'est déjà très bien. Hein. La musique, ouais, voilà. C'est la musique qui passe, mais c'est pas, voilà, c'est pas... Après, c'est du beau travail, mais est-ce qu'elle va te marquer? Après, tu regardes une série pour moi, donc quand je regarde une série, je retiens le générique d'intro quand on te balance la petite animation Marvel. Après, le reste, je m'en fous en avant. Quoi, hein. Le reste, elle est absolument dégueulasse. Je trouve. Oh, c'est parce qu'on n'est pas habitué. L'intro Marvel, c'est inutile. Pas terrible, aucun intérêt, c'est tout. On s'éloigne des comics et on te met en avant le studio. Moi, je suis pas. Je m'en fous. C'est logique, surtout une manière de dire que maintenant. C'est assez logique. Maintenant, les films ont leur propre histoire, ce qui n'est pas faux. Tu as une quinzaine de films maintenant. Oui, c'est leur propre univers. Non, en fait, si tu regardes bien, le début, c'est les comics. Ensuite, ça se transforme en page de scénario. Et ensuite, ça se transforme en dessin. Ensuite, en film. Donc, c'est un peu l'espèce de processus de création, si tu veux. C'est l'évolution. Donc, moi, ça m'a semblé plutôt bien trouvé, en fait. Moi, je la regarderais peut-être. Mais, C'est de la nostalgie aussi. La musique, c'est quand même le truc. Hein, la musique, c'est moyen, ça passe, mais on s'en rappelle pas. Il n'y a rien de marquant, il n'y a rien de fou. Moi, vraiment, genre. Sympathique quand même. Giacchino, c'est quand même un compositeur qui a des inspirations. Enfin, genre, le gars, il peut parfois atteindre le niveau de Danny Elfman ou quoi. Et il y a quand même eu Danny Elfman et, sur Avengers 2, et il est quand même fait par la machine. Hein. C'est-à-dire que Giacchino, c'est presque sa BO. Danny Elfman, c'est sa BO. Je crois que c'était le navet de sa BO avec celle de 15 degrés. En 2015, il aura une carrière de malade, Elfman. Le gars, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est pas que c'est dommage, c'est juste que c'est pas normal qu'il fasse une musique aussi générique et aussi oubliable. Quoi. Normalement, il devrait pas faire ça. Et peut-être que c'était exprès, et ça, par contre, ça devient un problème. Il est venu cachetonner, c'est tout. C'est un grand nom, ça fait toujours bien de dire « J'ai ce mec dans mon film, viens le voir. » Après, c'est toujours pareil. Dès qu'on t'annonce les prochains films Marvel et qu'on te dit qu'il y a Giacchino, t'es là « Ouais, il y a Giacchino, ça va être super. » Voilà, c'est juste de l'argument marketing. D'ailleurs, l'argument marketing, c'est comme Cumberbatch. Hein. Si tu raisonnes comme ça, c'est totalement ça. Ah, là, ça tu vois... Une transition sur les personnages. Bravo. Parce que moi, ce que je pensais, c'est clairement... Doctor Strange n'étant pas vraiment connu du grand public, parce que Ant-Man, ça commençait à être connu, les gens s'intéressaient aux Avengers, donc ils connaissaient Ant-Man. Strange, le connaissant pas, il fallait mettre un gros nom derrière pour que les gens y aillent. Ah oui, bien sûr. Et même logique, le choix de l'acteur est pas fou, il n'est pas incohérent. Alors, il est vendeur, mais le petit côté Aristo, mec un peu pointu, machin. Ouais. Moi, je suis désolé, Cumberbatch dans la série Sherlock ou Cumberbatch dans Imitation Game, c'est un petit peu du Doctor Strange pour moi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, je trouve ça hyper cohérent. Il est vendeur et en plus, je trouve que ça lui va comme un gant avec ce côté très british, très surpris, il a vraiment... etc. Quoi. Moi, vraiment, je trouve qu'il a vraiment quand même le look à la Tony Stark. Je trouve que c'est vraiment une version vraiment un poil plus british que Tony Stark. Hein. Il est riche, mais par contre, tu vois, je dis ça, Tony Stark, il a vraiment ce côté ultra pédant, systématiquement,
quand il va fabriquer un truc, il va blaguer. Quand il va faire quelque chose, il va blaguer, il va jamais être sérieux. Et là, en l'occurrence, Strange, dans le film, quand même, Cumberbatch, quand il opère, par exemple, quand il fait un truc très périlleux, tu vois, il le dit, là, coupez votre montre, ça me déconcentre, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, tandis que il est pas, enfin, comment dire, il est bien s'amuser, il a une bonne culture, mais quand il y a un truc très important, il n'est pas aussi nonchalant que ça, tu vois. Contrairement à Stark, qui lui-même, dans les pires actions, pour extérioriser un petit peu sa peur ou autre chose, il va être extrêmement nonchalant, il va toujours te sortir des blagues, tu vois. Après, ils sont similaires, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de... Oui, enfin, en même temps, bon, les personnages aujourd'hui... n'est pas le même, quoi. Ouais. Il est plus sur la retenue, oui, mais... il est plus sur un quelque chose où... Comment dire, pour moi, Tony Stark, c'est le Californien et Doctor Strange, c'est le New Yorkais d'origine anglaise. Vous voyez un peu le délire? C'est comme ça que je le vois, même s'ils sont très matu vu. Et encore, je trouve qu'il y en a un qui est très bling-bling, Tony Stark, et l'autre, il est un peu plus classique, tu vois. La voiture, l'autre, il roule en Audi, l'autre, il a une belle bagnole. Tu vois, l'Audi est très belle, mais c'est pas pareil. Il n'est pas obligé de venir avec une Audi qui a la même couleur que son armure. L'autre, il est classe naturellement. Il a une cape, tu vois, déjà, le mec. Classe, cap vraiment, il faut que j'en achète une parce que bien je trouve sûr. Que c'est hyper classe. Mais ouais, dans l'idée, je trouve qu'il a. Il a quelque... bah, par contre, tu voleras pas avec, hein, saute pas par la J'aurais juste l'air d'un con dans la rue avec ma cape, mais je m'en fous, je vais kiffer. Dans l'idée, voilà, je trouve que le choix de l'acteur, il est gentil. Hein. Je l'aime beaucoup, Robert Downey Jr., mais en face, Cumberbatch, je le trouve beaucoup plus. Ah oui, charismatique. Hein, oui. Charismatique. Il y a quelque chose, il ressort du lot. Alors là, il est super sympa, mais bon, voilà quoi. C'est... Bon, par contre, les mecs, j'en avais parlé avec Nico, je vous fais le pari à la rencontre Cumberbatch, Robert Downey Jr. qui aura une blague sur les Sherlock. Que, ah, c'est évident. Bien vu, les gars, parce que c'est bien vu, Sherlock. Ça. Bien vu, Sherlock. Ouais. Ouais, c'est sûr et certain. C'est évident. Ouais. Et là aussi, comme c'est pas le même Sherlock. Hein. T'en as un qui est beaucoup plus matu vu, machin, et qui ressemble à Tony Stark dans les versions de Guy Ritchie et dans la version de la série. La version sobriquiche, classe comme il faut. Voilà, un peu plus en mode autiste, véritablement autiste, très personne, etc., etc. Tu vois. Ah oui, donc oui, même là, tu vois la différence entre les deux Sherlock. Et puis c'est Smog aussi, il faut pas oublier. Aussi. Ah oui, il pouvait rencontrer. Il a un charisme, il a quelque chose de différent. Et pour ça que. Et même les personnages ne sont pas complètement pareils. La seule comparaison qu'on peut faire, c'est qu'ils sont riches. C'est tout. À part ça, c'est quand même pas les mêmes personnages. Sur deux. Enfin, en apparence, du moins. Les deux sont riches. Ils ont bien réussi leur life. Et puis, c'est tout. Après, ils ont quand même plein de trucs différents. Enfin, tu vois bien que, voilà, comme vous avez dit, ils ont quand même un caractère qui n'est pas le même. Il y en a un qui fait de l'humour, l'autre pas. C'est quand même pas la même chose, je trouve. C'est. Et puis oui, bon, les acteurs ne se comparent pas, ils sont quand même très différents aussi, c'est évident. Mais je trouve qu'il est très bien dans son rôle. Je trouve que ce choix est parfait. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est vraiment. C'est le mec. Genre, y a pas, je crois qu'il n'y a personne d'autre pour l'incarner. Quoi. C'est vraiment, genre, ouais, c'est le choix idéal et évident. Quand on avait parlé de Joaquin Phoenix, moi, j'étais pas contre non plus. Hein. Ah, c'était pas mal, ouais. Ouais, c'est vrai. Peut-être c'est quelque vrai, chose avait... de plus ardent, de plus. Mais ouais, Phoenix, il aurait été plus dans le. Dans le sanguin, je trouve. Enfin, je pense qu'il aurait voilà, sanguin, c'est le bon mot. Ouais. C'est exactement ça. Ah non, pas moi. Non, trop... Il n'avait pas la gueule pour ça, je trouve. Alors, quand tu vois Cumberbatch et que tu as vu le film, maintenant, tu te dis c'est pas possible de changer. Oui, non, mais, ouais, mais vu, bizarrement, moi, pardonner, quoi. Non, pas forcément. Moi-même, avant, oui. Ça me disait bien. Parce que je trouve que c'est un acteur qui passe bien pour ce truc-là. Bizarrement, tu vois, Joaquin Phoenix un rôle comme ça, je trouve. Par contre, je voulais vous poser la question, est-ce que ce film, c'est pas le meilleur casting en termes de nom de tête d'affiche qu'on ait eu dans l'univers Marvel? C'est vrai que, bah après, en dehors d'un Avenger, t'as quand même des grosses... Ouais, mais ils le sont devenus grâce à Avenger. Je crois que c'est un des premiers films Marvel qui se sent pas obligé de te mettre un gros nom. Ouais, c'est vrai. Là, par contre, le casting, genre le mec de référence type... Je dis ça, genre... dans Thor, t'as Odin qui est joué par Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, merci. T'avais Robert Redford aussi. Robert Redford. T'avais aussi Michael Douglas. Ouais, voilà. Enfin, t'as tout systématiquement. Et là, dans celui-là, au final, t'as un très joli casting. Je veux dire Mordo parce que son nom, il est
il est imprononçable. Ah oui, alors. Ce qui fait 20 Years a Slave, là. Ouais. Qui souhaitait Géofort à Géofort. Chiwetel et Géofort. Je sais pas, enfin bref. C'est Chiwetel et Géofort. Très bon acteur. Rachel McAdams sous-exploité. Ouais, intéressante. Mais bon, après, c'est juste le. Et puis, Love Interest. Bah, c'est vrai que. Rachel McAdams, elle est restée au niveau du trottoir, quoi. Non. Oh la blague, ouais. Allez, c'est parti, allez. Oh, oh là 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 là. Non mais c'est vrai, le c'est vrai ce que aussi, tu dis. Hein. Ouais, Mads Mikkelsen. Mais par contre là, Mads Mikkelsen, je suis très très déçu. Hein. Genre, moi je trouve le gars, il son personnage, je le trouve très très mal écrit. Il est useless. Bah, c'est un méchant. Le personnage très mal écrit. Il n'y a pas de combat avec lui. Il combat jamais Doctor Strange réellement. Ils font que se fuir. Et au final, dans le combat final, c'est pas lui qui l'affronte. Le gars veut récupérer quelque chose, mais c'est ce qui cause sa perte. C'est un méchant qui est très con. Je le trouve très mal écrit. Mads Mikkelsen, il a son maquillage sur la tête. Gueule, hein. Bon, voilà. Il est très surpris pour sa gueule. Alors et puis aussi, à part son dialogue, bon, bah, d'ailleurs, tu sais, quand il y a la cape qui empêche Doctor Strange de prendre des haches et qui prend d'ailleurs le sort de truc qui emprisonne et qui bloque l'ennemi. Déjà j'ai trouvé ça hyper ridicule, genre toute la salle s'est marrée, moi aussi je dis qu'est-ce que c'est ce truc, genre tu sais quand ouais, il sort, hein. Ça le store, ça le tord comme ça, genre c'est quoi cette merde, et genre en gros oh, c'était marrant, ça va, bah ouais mais genre je sais pas, genre il y a plein de scènes de combat, non mais il y a plein de scènes de combat, puis d'un coup le seul moyen qu'il a pour scoper un ennemi qui genre peut causer l'apocalypse, c'est genre une sorte de truc hyper ridicule, je sais pas, j'ai pas compris, j'ai pas, et bah donc du coup il a un monologue, Mads Mikkelsen, et après, il a trois phrases, tu sais, genre les phrases hyper clichés, genre ouais, on lit un psaume pour invoquer une merde, on dit qu'on est super méchant parce qu'on est beau gosse, on dit qu'on a invoqué le guerrier suprême et que ça y est, c'est la fin des temps, même pour nous, parce qu'on sait même pas comment on va survivre. Ben, voilà, genre c'est vraiment, je crois, dans le top 3 des pires méchants Marvel pour moi. Et donc du coup, Mads Mikkelsen, grosse déception pour moi. Bah, il n'est pas exploité en fait. Oui, c'est pas vraiment le méchant en fait. Il sert à rien quoi. Oui, non, mais il aurait été mieux exploité, on en aurait appris. Ouais, mais t'invoques pas Mads Mikkelsen pour ça quoi. Quand t'entends son histoire, ça peut être intéressant. Le mec qui est arrivé au temple, il avait perdu sa femme, ses enfants, il est en quête de rédemption, machin. Ça aurait pu être intéressant de comprendre pourquoi il est passé, il a basculé. Mais en fait, au final, c'est même pas expliqué. Donc oui, tu t'en carres. Non, on s'en bat les couilles. Mais par contre, je voulais juste un petit parallèle. Tu parlais de la scène où il se fait emprisonner. Il y a un truc très drôle. C'est, je sais pas si t'as remarqué. Donc à un moment, il prend une espèce de calice, une coupe. Il la pointe vers le gars et genre le mec flippe à mort. Et après, il dit mais en fait, c'est pas à quoi ça sert. Et Dr. Strange dit non. Et du coup, il continue à se battre. En fait, ce qui est très drôle, c'est que le film aurait pu s'arrêter là parce qu'en fait, cette espèce de coupe de calice dans les comics, c'est un truc qui aspire les gens et les enferme à l'intérieur, mais pour toujours. En gros, t'es mort, quoi. C'est foutu. Ouais, voilà. Sauf qu'il faut savoir s'en servir. Et comme il ne savait pas s'en servir, il a dit mais en fait, je ne sais pas à quoi ça sert. Et il a dit non, donc du coup, il était sauvé. Donc la scène était. Ah, d'accord, c'est un petit. Ça fait plaisir aux fans, quoi. Aux vrais fans. C'est vrai que, Andy, tu disais un détail. Je sais plus, mais c'est genre, en gros, le film, je trouve qu'il n'est pas du tout prétentieux, où il n'a aucune volonté de vraiment. Je sais pas, genre, je trouvais que les Gardiens des Galaxies, il avait une volonté un peu, un peu pédante de vouloir s'imposer en mode ouais, regardez, on joue sur notre nostalgie, regardez, on a des références, regardez, c'est trop cool. En même temps, ils ont réussi parce qu'il y a des films qui sont très pédants, ils n'arrivent pas vraiment à faire leur truc. Hein. Ben, moi, je trouve qu'il est très pédant, les Gardiens des Galaxies, par exemple, alors que celui-là, pas du tout. Mais vraiment, genre, c'est... je trouvais que le film banal, peut-être que c'est ça qui le rend banal à mes yeux, mais c'est le fait qu'au final, le film est honnête dans ses intentions, je trouve. Le gars, il te montre ce qu'il faut montrer. Il veut pas trop en montrer non plus. Voilà, il t'a montré ce qu'il avait promis et il te le montre sans forcer dessus. Donc je trouve pas que en gros, voilà, je disais qu'il y avait un peu un aspect bande-annonce, mais c'est l'aspect qui ressort de tous les Marvel. Donc en fait, c'est pas du tout un aspect c'est pas du tout un aspect forcé en mode un mec qui apparaît sur le grand écran qui te fait un clin d'œil genre hyper forcé quoi. C'est pas du tout ça. Je trouve que c'est un film qui est très honnête avec ses intentions et qui vraiment se démarque par son honnêteté vis-à-vis de son univers. Voilà, c'est genre un film qui est honnête, donc du coup, bah, en fait, il est peut-être trop gentil avec ses thématiques. Oui, mais moi, je suis d'accord sur le constat, c'est vrai que le film est assez honnête dans sa démarche, mais au final, est-ce que c'est un reproche ou pas? Parce que du coup, on peut pas reprocher un film d'être honnête dans sa démarche. Tu vois, c'est même tant mieux, j'ai envie de dire. Moi, le film, il essaie pas de prétendre ce qu'il est pas. Tu vois, c'est donc, ça.
C'est ça. Moi, je peux te dire, j'ai vu des films qui avaient des grosses prétentions là cette année. Et putain, qu'est-ce que c'était de la merde, hein, quand même, donc, qui était vraiment, qui voulait nous faire une espèce de trip en mode un peu sombre, psycho, je sais pas quoi. Et en fait, c'est un gros grosse merde en fait. Et d'autres films qui étaient assez moyens, du style Batman V, bon film, mais sous prétention un peu psychophilosophique, en fait, qui est comme tous les films de super-héros. Tu vois, donc là, j'ai un film. Bah, tu vois, moi, ouais, voilà, là, on va pas être d'accord, évidemment, mais ça c'est ouais, les débats qu'on a après, déjà eu. Après, c'est vos attentes respectives aussi. Ouais, voilà, après, c'est genre. Je trouve que voilà, genre, il y a des films qui, voilà, genre, un DC, il aura des. Par exemple, ouais, Suicide Squad, je le trouve pas honnête dans sa démarche, par exemple. Je le trouve pas honnête dans sa démarche, parce que c'est typiquement un film qui devait être exemple, sombre et qui l'a pas été. Ils n'ont pas assumé leur ah oui, c'est clair. Ils ont pas assumé leur angle. Ils n'ont pas assumé leur angle par exemple, truc. Bien sûr. Voilà. Alors ouais, que tu prends un Batman sur un, je trouve que voilà, il a des thématiques qui sont mystico-philosophiques. Non, mais justement, moi qui les aborde. C'était que dalle. Ouais, mais je trouvais que moi c'était que dalle, ça abordait rien du tout, ça se prenait pour du gros philosophique, en mode on sort quelques phrases un petit peu sorties de je sais pas. Bah, il les aborde au moins, c'est genre juste abordé, mais c'est la même chose que Doctor Strange qui n'aborde que la surface de son univers. Oui, mais voilà, mais, bon, oui, mais tu vois, mais il y a un. On t'a pas vendu dans les bandes annonces le film philosophique qu'il aurait pu être, c'est-à-dire que moi je m'attendais pas du tout à ce qu'on fasse ça, c'est pour ça que le public a été surpris en quelque sorte. Je dis pas ça. Bah, moi je te dis, bah, oui, on est d'accord, de toute manière, les deux n'abordent pas des thématiques, on va dire, immenses, absolument incroyables, qui ont changé ta vie, c'est évident, mais en moins, je trouve qu'il y en a un qui est plus honnête que l'autre dans sa façon de se présenter, tu vois. Batman et Superman, bon, je prends cet exemple, c'est un film que j'ai quand même apprécié. Aussi, hein, pour moi. Je trouve qu'il se fait passer pour croire, il s'est pas présenté plus que ce qu'il était. Hein. C'est les films Marvel sont des films honnêtes, c'est pour ça que je les apprécierai toujours. Et la formule, ouais, bah, moi, je ne trouve pas vraiment honnête. Genre, Civil War, c'est un film qui te vendait des conflits politiques et au final, il n'y a absolument rien. C'est genre une bagarre. Est-ce que Civil War est incohérent avec l'ensemble des films de Marvel? À aucun moment. Civil War, tu disais Civil War. Civil War, est-ce qu'il est incohérent avec ce qu'on te montre qu'on a déjà vu? Ouais, moi je trouve, ouais. Moi je trouve qu'il est incohérent dans le sens où en fait, Civil War te propose un anti-combat en fait. C'est un anti-combat, c'est un combat. Non, mais là où ils vont en venir, Anthony, je pense. Non, je te parle dans la forme. Est-ce qu'il est incohérent dans l'attente dans ce qu'on t'avait déjà montré avant? Est-ce que tu t'attendais à voir un truc de ouf ou tu savais personnellement que Civil War, ça allait être. Dans le niveau ah non, Civil War, on t'attendait un truc de ouf, on t'attendait blague, des scènes d'action. Vraiment, Civil War, on te le vendait comme un truc sérieux, un truc avec des enjeux politiques, un film à la Captain 2 ou qui reprenait les éléments de Captain 2. Quand je dis un film à la truc de dans les bandes annonces, si quand même on te le vendait. Si tu regardes bien, il n'y a pas d'humour dans les bandes annonces, il y a zéro. C'est une bande annonce. Une bande annonce aussi. Mais si tu vois dans les bandes annonces, tu vois bien que on se base pas que sur la thématique politique et que l'arc narratif Bucky, tout ça, est quand même présent. Non, mais tu prends par rapport à un autre Marvel. Genre, tu prends, je suis désolé, mais tu prends la bande annonce de Gardien de la Galaxie, tu c'est prends des bandes annonces de Civil War. Non, mais tu dis on ça, mais comment tu gères tes attentes, Anthony, à ce annonce. Moment-là et comment mais, tu gères tes attentes? Alors, moi, je te dis comment je gère. Quand je vais voir un Marvel, je vais voir qu'un simple Marvel. Et je ne suis jamais après, oui, bah, ça, après, voilà. Mais moi, je me bats sur ce qu'on donne. Moi, et c'est comme d'ici, je me suis dit, allez, ça peut être un truc entre guillemets d'ici dans, excusez-moi pour le jeu de mots, à Marvel en me disant, ok, d'un côté, j'ai un truc un peu lol, action, blague, pourquoi pas, ils le font très bien. De l'autre côté, je peux avoir quelque chose de plus sérieux. Certes, c'est pas ouf non plus, hein, le bien contre le mal, c'est depuis la nuit des temps que ça existe. Oui, et oui. Je l'ai eu en partie dans Batman versus Superman. Après, derrière, c'est parti plus en couille. C'est pas le débat du jour. En attendant, oui, bien sûr, Marvel. Mais... Je n'y vais pas, et surtout, je ne juge pas le film sur une bande-annonce. Hein. Une bande-annonce, c'est comme une pub, hein. C'est mensonger. C'est le but, c'est on te vend un produit. Bah oui, on peut très bien te vendre le produit, mais non, mais tu peux très bien, genre... C'est un peu la bande-annonce, c'est le film. C'est aussi le même, ce que tu perçois, je trouve en tout cas, c'est personnel, hein, mon avis est contestable bien sûr, ah bah oui, mais je trouve que les films Marvel sont des films qui sont assez honnêtes dans la manière, ils se présentent comme des divertissements qui pour te faire penser l'histoire, ils te le font. Ils n'essaient pas de te dire, tu vas ouvrir un livre de Nietzsche, voilà. Et, oui, et parce que j'ai... Alors qu'il y a des films qui te disent ça, ils te disent attention, tu vas réfléchir sur ta vie et tout, et pourtant c'est pas du tout le cas. Donc... Par contre, je trouve la bande-annonce aussi. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que les films Marvel, là où ils sont légèrement mensongers, c'est au niveau de sérieux qu'ils vont avoir. Moi, je me rappelle déjà, moi, ça a commencé déjà un peu avant, mais là où j'ai commencé à en avoir marre, vraiment, c'est Age of Ultron. Ouais, pareil. Alors, je savais que tu allais dire ça. Ouais.
Ça, avec le niveau de sérieux, quand tu regardais la bande-annonce. La première bande-annonce était en mode traumatisé. La bande-annonce, les gars. Ouais, mais voilà, c'est ça. Mais t'entendais. Oui, mais au moins, tu entends le ton, quoi. On avait dans l'assiette, il est pas gros. Tu entendais Ultron parler, genre, c'était No Strains on Me, c'était un truc de ouf. Quand tu regardes le film et. Pétard mouillé, quoi. C'est un clown tout et terminé. Et depuis ce jour-là, tu le sais, tout le monde le sait, c'est qu'on va te vendre un film comme étant sérieux, ça va attirer les grands. Mais bien sûr. Et tu lis Marvel, t'es gosse, tu sais que ça va être drôle, si t'as vu avant, et au final, bah, tu vas y aller. Moi, ce qui m'a gêné, c'est pas fou, c'est pas un truc de mal. Et si tu vois, c'est le même schéma. Et ce qui va suivre après, ce sera le même schéma. Bien sûr, la formule marche. Mais ouais, mais le truc, c'est que putain, au final, on dit que c'est l'affaire qui marche, mais il faut bien se rendre compte, il faut bien le dire à ce moment-là. Au final, tu vois des 90%, des 95% Rotten Tomatoes. Faut arrêter maintenant, faut falloir arrêter de dire c'est toujours le même caca. Non, on est d'accord, mais si les gens aiment, ils vont pas dire qu'ils ont pas aimé. Et le problème. Le problème, c'est que tu as des gens en ce moment, il y a des vagues de gens. À partir du moment où il y a un bashing, les gens vont bâcher. Et j'ai vu que Doctor Strange a été bâché un petit peu parce que, genre, c'est toujours la même chose. Mais les trois quarts des personnes dont j'ai lu, parce que j'ai fait le maniaque là-dessus, dont j'ai lu qui n'avaient pas aimé Doctor Strange parce que c'était tout le temps la même chose, j'ai fouillé, j'étais un peu plus loin. C'est des gens qui ont adoré Civil War. Et je me dis, mais les mecs, arrêtez de faire le mytho. Il n'est pas plus dans un schéma qu'un autre, dans une mode qu'un autre, et encore, il est bien mieux que Civil War. C'est juste que ce qui ne vous plaît pas, c'est que les gens ont dit la même chose, donc il faut dire la même chose, et voilà, c'est tout. Et vous butez dans un truc, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Les gens, il y a une masse qui va dire quelque chose, il faut suivre. Sinon, t'as tort. Voilà, exactement. Et le problème est là. Et moi, je te dis, j'ai regardé, sur les 10 personnes que j'ai lues qui disaient ça, que ce soit sur Facebook, sur YouTube et tout, c'est des gens qui ont adoré Civil War. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour moi, Civil War, c'est pas la Civil War, c'est un film. Voilà, vous savez très bien ce que j'en pense. C'est un film Marvel, quoi. Et comment tu peux dire que Doctor Strange, c'est le film Marvel, c'est toujours la même chose, alors que t'as adoré Civil War, que c'est peut-être la pire merde qu'on a pu t'envoyer à la gueule, tu vois. Donc, enfin, je suis désolé, mais au bout d'un moment, faut être réaliste, quoi. Tu peux pas cracher sur Doctor Strange et ne pas cracher sur Civil War. C'est la même forme. C'est pour ça que moi, je fais les deux. Enfin, Anthony le sait, connaît mon avis sur Civil War. Et pour moi, c'est genre, tu vois, genre, moi, c'est là, vraiment, Age of Ultron, j'ai été trompé, mais disons que le fait qu'il y ait eu des bourrinages à l'extrême et que je savais que ça allait être ça. Kiffé, mon salaud, arrête un peu. Non, mais attends, et que j'ai pas été déçu. Donc, du coup, moi, j'ai aimé Geoffrey Tron. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui le défendent. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce film. Mais tu vois, genre, par exemple, quand je voyais la première bande-annonce qui me promettait un truc hyper sérieux, hyper genre, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, les gars et tout. Et là, au final, c'est genre. Au final, les gars, ils font des vannes, même pendant le combat Hulk contre Hulkbuster, c'est genre des combats, c'est genre le mec, il dit « je t'ai vexé » et tout, alors que les gars, vous faites l'apocalypse dans un pays qui n'est pas le vôtre. Et les mêmes blagues ont été kiffées dans Avengers 1. Pareil. Ça m'énerve, parce que c'est comme disait Quentin dans sa PLS sur la famille Bélier, c'est pas parce que vous aimez toujours la même merde qu'on va arrêter d'en chier, mais putain, mais les gars, c'est toujours la même merde, ça reste de la merde. Donc putain, arrêtez de chier de la merde. C'est chiant. Arrêtez de faire ça. Marvel, entre guillemets, tu sais à quoi t'attendre à chaque fois. Enfin, les gens qui sont déçus par un film Marvel, mec, tu savais que ça allait être ça. Ouais, enfin, mais sauf moi, par exemple, là, le seul film qui m'a vraiment déçu chez Marvel, c'était Civil War, parce que là, il me promettait vraiment des trucs genre... les traités de Sokovie, les accords, on se combat entre nous parce qu'on a des conceptions politiques et idéologiques différentes, et voir des gamins qui se battent dans une cour de récré, Spider-Man qui est, et au final, le seul truc géopolitique, c'est « Tu viens d'où ? Ouais, du Queens ? Bah ouais, Brooklyn ! Waouh, génial !» C'est un truc qui n'est pas appuyé dans Civil War, qui est regrettable aussi, c'est ce côté manipulation politique. Parce que surtout le méchant qui est useless alors que ça devrait être le truc qui devrait changer tout, c'est genre en gros tout se base sur un méchant qui fait juste de la manipulation. Mais non, c'est juste ridicule, ça ne marche pas du tout. Après, sur les personnages, je pense. Je peux être fataliste. Les gars, on vend des figurines.
Quand on nous vend ça, on nous vend des figurines, on nous vend une série. Alors vous avez raison, hein, les exigences doivent être bien supérieures à ça. Mais maintenant, c'est fini. Au bout de 14 films, tu ne peux plus exiger du studio qui change sa politique. Elle marche. Le problème, c'est qu'elle a déjà marché. C'est ça qui est chiant. C'est Marvel, Anthony, tu as été fataliste. Magnifique. Non, mais tu vois, par exemple, tu prends Warner, ils savent qu'ils vont faire de l'argent juste sur le film parce que de toute façon, Warner ça existe depuis 150 ans donc ils s'en battent les couilles en fait. Ils font que des films d'auteur, Warner. Les gars, ils peuvent s'autoriser à Eastwood de faire 60 millions sur un gars qui se pose sur une rivière à New York. Ils peuvent donner. Ils peuvent donner Warner 165 millions à un mec qui va faire des tribulations réalistes dans l'espace sans CGI. Par contre, tu vois, un autre studio comme la Fox ne permettra jamais à Mel Gibson de faire son film de guerre totalement, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, Warner, par contre, il charcute les films de super-héros pour en faire des espèces de produits ce qui marche, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc, au final, on va se dire, on va entre guillemets, adapter pour que ça marche. Et c'est très con. C'est très con. Moi, ça, par contre, Warner, ils sont cons parce qu'au final, ils ont un produit de base qui est, un outil de base qui est génial, que tout le monde va aimer, mais que eux, ils pensent que ce ne sont pas des produits marchands, c'est réfléchi en termes de marketing, mais à posteriori, là où ça va se casser les gars, je vous le dis, j'en suis persuadé, que ça cause du fonctionnement, ça sera à la fin Infinity War, donc l'arrivée à Thanos et la Ligue des Justiciers, ils vont faire l'autre Darkseid, après sera terminé. Je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait le schéma il fonctionne sur la base d'une promesse. Ça fait 10 ans qu'ils te promettent le gant de l'infini avec Thanos, tu vois. Et donc, on fonctionne sur cette promesse, genre, endure tel et tel film, et petit à petit, on va y arriver, tu vois. Sauf que, bien sûr, c'est le principe d'une saga. Ils vont passer un bon moment, entre guillemets, parce qu'ils auront découvert d'autres trucs, mais ils vont pas forcément se dire, putain, le film était quand même vachement simple, et puis c'était pas folichon, mais bon, j'attends le prochain, ça mieux. Dans le but d'arriver en haut de l'échelle et d'avoir le film qu'on leur a promis. Et une fois que tu vas arriver en haut de cette échelle, tu verras. Et tu vois que le film, c'est juste un barreau d'échelle rongé par les mythes, bah, tout va se casser la gueule. Et moi, j'en suis persuadé, tu vas arriver à Thanos, ce sera pareil. Et l'erreur de la Warner, c'est de faire le même schéma. Évidemment, c'est du grand n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Mais les gens s'en rendent pas vraiment compte. C'est pour ça, en gros, Disney est un studio qui a une politique de « on veut faire des produits dès le début ». Et Warner, eux, ils sont pas plus intelligents parce qu'ils disent on va faire des produits, mais eux, ils sont en train de copier. Donc quand le truc est fini, donc c'est quoi être... On va essayer d'avancer sur le débat parce que ça fait déjà 2 heures. En fait, vous êtes sûr que c'est une table ronde sur Doctor Strange là ? Juste pour te dire que, en fait, les attentes, vraiment, faut en fait arrêter carrément parce que tu prends un Doctor Strange, pour moi, genre, c'était peut-être limite mon dernier espoir. Ils ont pas charcuté. En fait, je m'en suis battu les couilles parce que voilà, Doctor Strange, j'étais pas dans le. Tu sais très bien qu'il y aura toujours un truc pour piquer ta curiosité. Moi, dernièrement, je vais courir voir Batman parce qu'il y a écrit Ben Affleck dessus. Je sais que je vais courir voir Justice League parce que c'est impressionnant. Et dernièrement, là, il y a Logan. Oui, ça a piqué ma curiosité. Logan, j'en attendais rien. Et là, bim, t'as une bande annonce de malade. Oh putain, ça a l'air cool. Alors, t'es un petit peu à chier quand même. Petit Wolverine, c'est sympa parce que le personnage est cool, mais bon, après on peut avoir une bonne surprise. Et puis on peut. La question des attentes est quand même primordiale parce qu'au final, tu vois, genre, je vois même pas comment tu peux, genre voilà, genre comment les gens font pour te dire que Doctor Strange surpasse les attentes quand les mecs avaient déjà des attentes de malade. Et puis quand je vois les gens qui sont au taquet sur les films de comics, genre en mode regardez, Doctor Strange, ça va être ouf et tout. Genre, je vois même plus comment ils font.
Genre, je vois même plus. Genre, j'arrive même plus à comprendre. Là, vraiment, c'est vraiment là. C'est une mode, c'est une période, c'est ce qui marche. Aussi, on nous propose pas grand-chose en face. Ça fait 8 ans, quoi. Ça fait 8 ans. Oui, mais ça marche. On en a eu 5 ou 6 cette année. Si tu raisonnes comme ça, la période western spaghetti, et tout ça, ça a duré plus de 8 ans. Les péplums, ça a duré combien de temps? Les films sur les extraterrestres. Ouais, mais t'avais des films autrement plus qualitatifs et c'était un autre système quand même. C'était pas non plus le système de Robin. T'as eu des modes comme ça, des périodes avec plein de trucs. Les westerns, ça a duré un certain temps. Les péplums, pareil. Les films d'espionnage, pareil. Il y a eu une grosse période de films d'espionnage, ainsi de suite. Bien sûr. Les films d'extraterrestres. Ça dirait largement plus longtemps. C'est comme ça. Et puis après, au bout d'un coup, jusqu'à la grosse catastrophe, ça se passera plus comme ça. Et on est dans une période de consommation de séries, les gars, j'insiste beaucoup là-dessus. Bah oui. On est sur, comment on dit, du binge-watching, c'est-à-dire qu'on regarde des séries, on les consomme, on ne les regarde plus. Donc c'est la même chose au cinéma, Star Wars est en train de devenir une série aussi. Et on va y aller parce qu'on va kiffer, c'est pas le problème, l'univers nous plaît. Mais donc pourquoi on se plaint en fait? On se plaint attends, je reformule parce que ça peut paraître simple, mais ce que je veux dire, c'est que on se plaint beaucoup, on critique, etc., mais en même temps, on va tous les voir, c'est tout, on peut les voir, et on adore, et on kiffe, et on rebouffe. Exactement. Donc c'est la faute du public. Donc pourquoi est-ce qu'on se plaint alors que c'est juste l'ironie, enfin, pas l'ironie du sort, mais c'est juste une conséquence de notre propre comportement en tant que spectateur. C'est tout, c'est... 2017, je vois des doigts. Soit on assume ce qu'on est, c'est-à-dire des spectateurs, soit alors on veut changer de système et on boycotte. Mais on va pas voir des films comme ça tout le temps, exactement, chaque année. Et après, on se plaint tout le temps parce que bon, non, ça devient ridicule et c'est assez hypocrite, je trouve. Alors là, mais là, je dis voter Edouard pour 2017. Merde! Non, après, moi, personnellement, pour ma part, c'est que même si je dis que c'est de la merde, j'ai toujours l'espoir. Moi aussi, c'est pour ça. Je suis vraiment l'hypocrite. C'est Marvel, Green Again. Edouard, moi, je te jure, j'ai vraiment cet espoir de me dire, putain, ils ont enfin fait un truc de ouf et d'être là, les yeux écarquillés, en regardant mon Marvel. Et puis non, bah, je ressors du cinéma, je suis déçu, je râle, je peste. Et ça fait 8 ans que ça dure. Et puis après, on dit qu'il va y avoir encore 3 films. Après, il y a Thanos, donc j'attends. Et puis j'ai un espoir, et puis j'y vais, je sors, je râle, je peste, et puis j'ai un espoir. Et voilà, jusqu'à Thanos, oui, c'est comme après, ça. Après, toi, ta situation est particulière, c'est parce que tu es un fan de comics. Mais pour moi, je parle du grand public qui ne connaît rien en comics, par exemple, dont moi je fais partie, c'est quand même différent. Les attentes que j'ai ne sont pas les mêmes que toi. Il y a des choses que moi, je ne connais absolument pas. Donc quand je vais voir, je découvre, et donc le plaisir est plus important que toi qui as une attente très haute et qui va donc être très souvent déçu. De la même manière que moi qui est fan de certains bouquins, si je les vois adaptés ou en film, je vais forcément être déçu, tu vois. Sur la stratégie d'Amber ou le Silmarillion, tu vois, c'est le genre de truc, j'aimerais tellement voir ça au cinéma, mais en même temps, je serais très effrayé si je voyais une bande-annonce comme ça sortir. Parce que je suis sûr que ça va pas être, ça va pas être totalement pareil que ce que j'ai imaginé. Donc je peux comprendre, mais en même temps, tu vois, le contexte, la situation n'est pas la même. Moi, je connaissais rien à Doctor Strange et tu vois, j'ai kiffé. Donc quelque part, je suis plus avantagé, tu vois. T'as moins d'attente, t'es moins déçu. C'est un plaisir de curiosité. Même si t'es pas fou et que tu vois très bien comment ça fonctionne. Après, on est conscient de ce qu'on regarde. Voilà, hein, mais quelque part, je suis pas. J'essaie de ne pas être hypocrite envers moi-même et je sais que je suis spectateur, que j'aime voir ça et je vais payer pour voir et j'ai ce qu'on me promet, donc je suis content. J'attends pas un chef-d'œuvre. Voilà, quand je vais voir un film Marvel ou même un film DC, quand je vais voir un film de Sparrow aujourd'hui, j'attends pas de voir le chef-d'œuvre qui va révolutionner ma vie parce que les films qui ont révolutionné ma vie, ils sont déjà sortis depuis longtemps. Hein, donc, ça serait dû au Seigneur des Anneaux. Edouard, sans une référence au Seigneur des Anneaux, ce n'est pas possible. Ouais, voilà. On finit sur les personnages, on passe aux conclusions, les gars. Moi, c'est bon hein, pour les persos. Bon, ouais, moi aussi, perso, j'ai pas grand-chose à dire. Juste Swinton, qui, moi, je l'avais connu sur Constantine quand tu as joué l'ange Gabriel. J'ai toujours l'impression qu'elle est enfermée un peu dans les mêmes rôles. C'est triste à dire, mais elle joue bien quand même. Un peu la même chose. Mais justement. Ah bah non, pour moi, c'est un peu le rôle de. Même, faut quand même le. Quand même, être chauve, c'est pas évident dans un film comme ça. Une espèce de nazi en baignoire. C'est une actrice qui touche un peu à tout. La fille, elle fait quand même rôle de sorcière blanche dans les trucs. Elle fait des gros blockbusters. Après, elle va vers Ave César. Elle fait elle fait une jumelle où elle joue donc du coup double rôle. Elle va dans le Transperce Neige, allez, cinéma sud-coréen. Ça va. Elle fait une petite d'un bateau du Wes Anderson.
Elle est forte, hein, One Punch Man, quand même. Mais bon, quand on lui demande, quand on veut une personne un peu chelou, une femme, c'est sûr que c'est elle qu'on appelle. Ça y est, elle est un peu cantonnée des fois à la femme chelou du coin. T'es chelou, t'as une tête bizarre. Ouais, c'est vrai. Mais elle le fait bien. Elle le fait vraiment très très bien. Elle fait bien la chelou. Voilà. Non, mais sinon, c'est un stick. Enfin, pour les personnages, il n'y a pas grand chose à dire. Vraiment, voilà. J'aime bien Wong. Il était sympa aussi. Ouais, avec l'humour décalé, genre le mec qui rigole. Il y a des scènes Il y a un petit côté Drax en fait à la fin quand il rigole. Exactement. Il rigole, c'est vrai. C'est totalement décalé, le mec qui n'a pas l'habitude. Ouais, exactement. Ouais, c'était pas mal. Puis Rachel McAdams, bien aussi. Je la connais pas trop, mais ça. Elle est sous-exploitée, elle a pas beaucoup de place pour ça. Oui, mais en même temps, elle est réduite à la Love Interest. Oui, mais pensez à son personnage dans Halo de Cameron Crowe qui était vraiment beau. C'est le passé du Docteur Strange en fait. Oui, mais ça fait partie de son univers, de ses relations, tu vois. Donc il faut bien la mettre. Maintenant après, est-ce qu'on était obligé de prendre cette meuf pour le faire? On aurait pu prendre n'importe quelle conne qui passait quoi. C'est dommage de prendre une actrice qui est plutôt talentueuse pour lui faire faire ça au final, tu vois. Bon, tant mieux pour elle. Elle a cachetonné, c'est un nom qui rassure. Si ça fait toujours plaisir à la libido de certains ou à des personnes qui sont plutôt amateurs de son cinéma, bah pourquoi pas. Encore une fois, on est dans une stratégie marketing qui est plutôt intéressante. Moi, je trouve le casting, sur le papier, magnifique. Il est excellent. Que des noms. Et ce n'est pas des gens qui sont devenus ultra connus et ultra vendeurs grâce à Marvel. Ah ouais, ils avaient déjà leur propre... Cumberbatch n'avait pas besoin de ça. Même Mikkelsen, il est venu cachetonner. D'ailleurs, il va cachetonner dans Rogue One, on le sait. Le mec a fait deux blockbusters pour prendre des sous. Et il a raison, Tu l'as vu dans le papier de Philippe Gage, il le dit, je suis crevé d'avoir fait ça. Tu vois, c'est des mecs qui sont pas habitués à ça, donc allez, je suis mort. Il a raison, demain, t'es un mec... C'est bon, et là, il est assuré la génération de ses gosses et de ses petits-enfants. Voilà. Ouais, voilà, mais en même temps, il a du fric, en même temps, il est content de jouer dans son rôle. Un truc un peu plus blockbusteresque, et puis après, quand il voudra revenir à un truc plus auteur et produire lui-même ses trucs, ben voilà, il aura. Et après, il va aller sur le nouveau Greff, c'est plutôt malin de leur part. Mais mec, on va lui dire, tu vas faire du fou vert avec Cumberbatch, tu vas avoir des coups. Ça te dit? Ça prend combien de temps? 4 semaines? Bah, je suis là, les gars. Tu vas avoir des bières, j'arrive quoi. Devant les yeux en anus. Il y aura de l'anus. On va passer sur du conclusion final avec une note sur 20, les gars. Allez, soyons sérieux un peu. Soyons sérieux. Comme dirait Dr. Strange, on y va à demain. Ouais. Je suis fatigué là, ça y est. Edouard. Oui, de quoi? Oui, oui. Un avis final avec une petite note. Synthétiser tout ça avec une note. Oui. Franchement, on a dit beaucoup de choses, mais franchement, il y a un peu de tout. Je me suis retrouvé dans ce que vous avez dit. Hein. Moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film. J'avais des attentes qui correspondaient à peu près à ce que le film m'a promis et à ce que j'ai eu au final. Donc, j'ai eu un film de super-héros tout à fait sympathique et très, très, très divertissant et très spectaculaire. Et avec des acteurs au top et un univers assez intrigant. Maintenant, on va voir ce que ça va, comment ça va être développé par la suite. Donc, et du coup, je sais pas, si je devais donner une note, pour moi, ça vaut, par rapport à un film Marvel et ce qu'il nous a proposé, pour moi, ça vaut largement un 17 ou un 18. Donc, je dirais un 17, ouais. Très bien. Donc je suis assez satisfait du film. Il a kiffé, Edouard. J'ai kiffé ma race. Putain, race. Alors, moi je suis plus difficile en note à chaque fois, hein, j'avoue, mais j'ai bien aimé mon film. Si je devais comparer les films Marvel, je dirais que ce serait un tour dans un parc d'attractions. T'attends longtemps, tu te crées des attentes, t'es content d'être là même si c'est long, tu le regardes, tu kiffes sur le moment, tu kiffes à la sortie parce que tu te dis putain, je l'ai fait. Mais après, quand tu réfléchis, tu te dis c'est quand même. Ouais, bon, il n'y a pas de danger, en fait. Il n'y a pas de... Voilà, c'était rapide. J'ai attendu 3 heures pour ça. Bon, quand même, je suis content, je l'ai fait. Ouais, c'est un peu comme la baise, en fait. Hein. C'est un peu... Je suis mort. Non, mais dans l'idée, c'est ça. Et c'est pas étonnant, hein, c'est Disney, bizarrement. Hein, par d'attraction, ils connaissent. En attendant, moi, mon tour de manège, je l'ai kiffé. J'ai trouvé que le personnage était intéressant. C'est une formule qui marche. Je l'ai déjà vu 100 000 fois, mais je le sais. Le casting, j'ai beaucoup aimé. J'ai kiffé la cape. Ça, je reviens dessus. Ça sert à rien. Ah oui, ouais. Oula, fétichiste, fétichiste. Et si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 11,5. Et pour mon cas, c'est déjà au-dessus de la moyenne. Et 11,5, c'est une bonne note pour un film de super-héros. C'est pas ce que j'ai aimé cette année en termes de super-héros, mais j'ai trouvé que c'était un très bon moment. Voilà pour moi.
Oui. Doctor Strange, c'est un film, donc, du coup, sans plus, qui n'a pas su m'attirer au début et qui, bon, bah voilà, je l'oublierai sûrement très vite. Même, je l'ai pas autant kiffé sur le coup que pas mal d'autres films de Super Sleep, donc. Comme disait mon boss maintenant, Phil Gage, Marvel c'est vraiment les Mec, ça parties. raconte quand même. Ah bah Marvel, ouais, ça raconte, désolé, hein. hein. Attends. Du coup, bah, Marvel c'est vraiment les parties du divertissement et on va y retourner comme d'habitude et on sera déçus comme d'habitude. On kiffera parce que voilà, sous prétexte qu'il y avait des boobs ou je sais pas, voilà, d'autres trucs. En fait, t'es un jouisseur Donc moi je. dépressif, toi. Bah ouais, j'aime bien. On l'appelle la queue du bol dans le métier. La demi-molle du Doctor Strange. Du coup, Bois un verre d'eau, bois un verre d'eau. c'est vraiment. Pff, allez. Du coup, c'est du milieu de tableau pour tout en tant que film de super-héros. C'est du milieu de tableau en tant que blockbuster. C'est au milieu de tableau. Voilà. Bon bah, allez, on va dire un 11 sur 20 parce qu'il y a quand même la réalisation que j'aimerais souligner, qui est vraiment vraiment très maîtrisée. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est presque jamais le cas chez Marvel. Donc on va plutôt le souligner, sachant qu'il y a les défauts inhérents partout et ça sera pas mieux la prochaine fois. Voilà. Faut arrêter d'attendre. Ça sera plus mieux là, ça sera jamais mieux la prochaine fois. Allez voir d'autres films si vous voulez du mieux. Voilà. Quant à moi, un nouveau film d'auteur de Marvel Studios, vraiment. Non, bah non, c'est moyen, c'est beau visuellement. L'histoire, ça n'est qu'une histoire de pute d'un héros qui débute, mais elle n'est pas trop mal tout de même. Par contre, point négatif, un méchant aussi charismatique que Canard WC dans ses pubs. L'apparition du gros méchant en mode Galactus dans les 4 Fantastiques, c'est un Galactub, je suis identifié au Galactub, le fameux. Sinon, très beau, le Nickler de monde. Des bonnes idées visuelles pour, enfin, comment dire, pour montrer tout ça. Et Mets une bonne note, s'il te plaît. et quoi? S'il te plaît, mets une bonne note, je me sens tout seul. Et non, après, tu passes un bon moment. Comme tu l'as dit, Anthony, c'est ça, c'est un tour de manège. Tu es content de l'avoir fait, mais après, quand tu réfléchis, tu te dis qu'au final, c'était pas si fou que ça non plus, que tu as attendu un moment. Moi, perso, je vais lui mettre 13, pas plus. Il était très bien, mais je m'attendais à mieux. Et surtout, je peux pas m'empêcher de repenser à mon ami qui me dit oui, bah écoute, tu vas faire des études avec des moines de Shaolin, donc tu vas faire du Kung Fu. Je trouve ça un peu. Voilà. C'était un peu facile. Mais bon, ça Ouais, va. pour la se battre, ça me semble logique. Ça va. Mais voilà. Par contre, dernier truc, ce que je voulais dire, qui annonce du gros et du très très lourd, Mordo fait beaucoup de références dans le film à une sorte de justice naturelle, comme quoi faut pas aller contre la nature, sinon tu en payes le prix un jour. Et pour moi, c'est une grosse référence à une entité cosmique de l'univers Marvel qui s'appelle le Tribunal Vivant. Qui est une Ah entité oui. cosmique ultra puissante, qui est simplement un juge cosmique qui va te juger si tu fais des choses qui sont contre nature, ce qui est le cas dans certains comics de Doctor Strange, parce qu'il a fait des choses qui n'étaient pas très bien. Donc, à voir plus tard. C'est Voilà. l'équivalent des cordiers jugés flics, mais version Version cosmique. Version. d'accord. T'as touché autant? Bah écoute, je vais te laisser prisonnier dans un monde sans temps, sans personne, dans le noir pour l'éternité. Voilà, Ah oui, à c'est 8 tonnes. sympa. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est C'est pas genre, cheap, hein. ouais, non, Alors c'est c'est genre. plus Poutine que cordier jugé Ah flic, non, pour c'est le genre, coup. c'est le juge impartial, quoi. T'as touché à quelque chose qu'il fallait pas faire, qui est inégal dans l'équilibre cosmique de l'univers, bah tu vas te faire défoncer la gueule. Donc voilà. Et en fait, ça me fait penser, parce que vraiment, à chaque fois, il dit, il y a un prix à payer, tu vois. Il est tout le temps en C'est train de vrai dire qu'il ça, il y a un prix à est payer, vraiment il exagère bien là-dessus, tu vois. Ouais, Donc tout à voilà. fait. Bah, à la fin, il enlève le pouvoir, il retire le pouvoir à Pangborn, parce qu'il considère ça Ouais, mais en contre fait, nature de même. base, Mordo, c'est un méchant récurrent de Doctor Strange, donc je Ah savais ouais? déjà qu'il allait être Ah méchant, en ouais. fait. Ah, je savais pas moi. Voilà, Ah oui, d'accord. Ouais, quand nous, on le sait pas, forcément, pour nous, il est gentil pour le moment. Ouais, c'est un gars normal, quoi. Par contre. L'autre post générique, elle est vachement plus intéressante sur le fait de. Il risque de faire un truc avec Thor.
Ben, il risque d'être dans le film, quoi. Donc ça, c'est de toute façon. Mais pas que maintenant il peut remplir une bière très rapidement aussi. Ça, c'est très non, par contre, ça peut te montrer un truc, c'est que maintenant il maîtrise ses pouvoirs et il peut faire à peu près ce qu'il veut. Ouais. S'il peut se permettre de sans réfléchir remplir une bière comme ça, il n'en est plus au stade du mec qui galère à ouvrir un portail. Ah oui, c'est le sorcier suprême à la fin. Ou à symboliser une espèce de corde d'étincelle pour fouetter un gars, tu vois. Il est plus acheté. Ouais. C'est le level au-dessus, ouais. Voilà. Et ce soir, il a fait avoir peur du film. Oui, ça va, il est pas mal. Il est pas mal. C'est sûr que j'aurais pas mis 13 à Civil War. Ça, c'est... 13, 17, 11, 11 et demi. Ça va quand même, c'est propre. Ça va, c'est varié, c'est qu'il faut. Sur ce, pour participer à la table ronde, Anthony, c'est qui nous en parle? Alors nous, on n'a peut-être pas le même patron que Louis, mais nous, on en a un autre qui est quand même largement... Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle. Et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. Donc, merci à toi, Edouard, d'avoir participé. Ça faisait très longtemps. Ça fait toujours un plaisir de revenir. Ça faisait longtemps, oui. Merci à toi, Louis. Et en fait, si je crois ne pas me tromper, je crois que c'est la première table ronde qu'on fait tous les deux ou je dis une bêtise? Oula, c'est bien possible. Donc, la dernière aussi. Hein, au revoir. La dernière aussi. Ouais. Ça fallait t'y attendre. Oh là là là. Donc, merci à toi, Louis. Et puis voilà. Et puis, je vous aime. Merci aux baroudeurs du cinéma. Même si, oh, voilà, j'ai mon petit lit de camp, j'ai tout ce qu'il faut pour les prochains débats, il n'y a pas de souci, je suis là. Là, en parlant de prochain débat, le prochain débat, c'est sur Max et Léon, Les folles aventures de Max et Léon. C'est bien ça le titre exact. C'est la folle histoire de la Max. La folle histoire, moi je réinvente, moi je fais Les folles aventures, tu vois, c'est encore mieux, c'est un niveau au-dessus. Il y a plusieurs, ça sous-entend qu'il y a plusieurs histoires, plusieurs aventures. Voilà. Il le tease déjà. voilà. C'est et puis du coup, merci à tous. Connecté là. J'ai rien compris à ce que tu as dit. Est-ce que tu as dit Daft Punk? Est-ce que tu m'as dit Television Rules the Nation? Est-ce que tu viens de me dire ça? Bon, allez, merci à tous et à la prochaine sur Max et Léon. Allez, bisous, bye bye. Salut, jeune Jean. Ciao, ciao. Putain, d'œil d'Agamotte, je mettrais bien mon cul de quelqu'un.